hole in the mountain I'll take. Oh, I have hole, running around trying to escape the light, chasing the night, hope to save in my mind. Oh, I have hole in the mountains outside. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur SportMed pour cette édition spéciale de Made in Marseille, spéciale pour ce printemps européen que nous a offert l'Olympique de Marseille lors de cette belle victoire à l'extérieur contre Bâle, ce qui fera normalement l'objet de notre première partie et notamment pour la préparation de cette affiche qui s'annonce bouillante contre l'OGC Nice, ce qui fera, vous l'aurez compris, l'objet de notre deuxième partie. Le programme s'est affiché à l'écran. Alors, pour ceux qui nous suivent et vont continuer de nous suivre à l'avenir, restez connectés sur tous les supports que sont YouTube, Twitch, Insta et Twitter, car SportMed va continuer de vous surprendre. Je ne vous en dis pas plus, mais restez connectés à l'avenir, car nous allons vous proposer toujours plus d'infos, toujours plus de documents sur l'Olympique de Marseille. Ça sera ici et nulle part ailleurs. Alors, en plateau avec moi, celui qui ne laissera jamais rien au-dessus de l'institution olympique de Marseille, vous pouvez lui faire confiance, Yannick Massilia. Bonjour mon ami. Ouais, salut, ça va? Bonjour tout le monde. Également Ariles du compte Massilia FC qui nous fait également le plaisir de sa présence une nouvelle fois. Bonjour Ariles. Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour au chat. Et Renaud, bonjour Renaud, pour un retour, je crois qu'une deuxième fois, on s'était déjà vu en décembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Ça va Renaud? Ça va, ça va. Bonjour à tout le monde, bonjour au chat, à l'équipe. Et bien content. Voilà, d'être avec vous.
Le plaisir est partagé. Et oui, merci de m'avoir devancé. Bonjour au chat. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire part de vos commentaires. Alors n'hésitez pas, nous ferons le maximum pour les relayer, pour vous faire participer au mieux à cette émission. Car vous le savez, cette émission vous est dédiée, c'est l'émission des supporters. Et je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce match contre Bâle. Qui de mieux placé que notre ami Yannick, justement, qui était en tribune. Yannick, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de ce match de Coupe d'Europe à l'extérieur à Bâle, s'il te plaît? Bah, on s'est qualifié de belle manière, moi j'ai trouvé quand même. En première mi-temps, logiquement, on aurait dû tuer le match. On aurait dû aussi, pour moi, jouer à 11 contre 10. Et bon, derrière, on prend un but, on a un peu de crainte. Et puis derrière, on arrive quand même à dérouler, à planter deux buts à Bâle. C'était pas facile. Écoute, voilà, victoire, on va dire une belle victoire, hein, qualification. On continue dans cette coupe. Bon, tu sais que j'en suis pas grand fan, mais ça reste un match de Marseille. Donc, que ce soit en Europe et tout, il faut être là pour les soutenir. Voilà. Et j'ai trouvé qu'on est resté solide dans les têtes après avoir encaissé ce but, à la différence de certains matchs qu'on a pu jouer précédemment. J'ai pas trouvé qu'on ait perdu pied. J'ai trouvé que l'Olympique de Marseille a continué à essayer de dérouler après avoir encaissé ce premier but. Et pour le coup, c'était pas gagné si on avait imaginé ce scénario. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, ouais, mais bon, quand on prend ce but, tu te dis, il y a tout qui est contre nous. Match aller, on doit gagner largement ce match. Au final, on gagne que 2-1. Tu prends ce but, tu te mets à douter, parce que la première mi-temps, quand même, tu as eu des actions pour ouvrir le score. Et je te dis, il y a ce penalty pour moi où il y a, enfin, j'ai pas revu les images, mais pour moi, il y a carton rouge indiscutable. Dernier défenseur part derrière, face au but. Enfin, je sais pas, je comprends Alors pas comment un arbitre. justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est une discussion que j'ai eue aussi en privé avec d'autres. Je suis assez d'accord avec toi. Vraisemblablement, il donne un carton jaune parce qu'il estime qu'il joue le ballon. Alors quand tu regardes les images, si jouer le ballon, ça s'appelle tacler les talons de l'adversaire. Mais bon, écoute, Bon, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Il y avait clairement. voilà, en tout cas, quand tu te prends ce but, tu commences à te dire, putain, mais on est un peu maudit, quoi. Sur le match aller-retour, on est un peu maudit. Puis au final, ça se passe bien, tu égalises, et puis derrière, bon, tu arrives à maîtriser le jeu. Le dernier quart d'heure, je trouve qu'on était très bon. Et puis derrière, t'as Rongier qui marque sur une belle action, Gerson qui monte encore en puissance et qui continue à montrer à tout le monde que c'est un très très bon joueur. Moi, il me plaît de plus en plus. Je trouve que dès qu'il est sur le terrain, il est très très bon techniquement. Et je pense qu'il fallait ces 6 mois d'adaptation. Et là, il a l'air d'être lancé. Alors, on ne va pas s'enflammer, toujours pareil. Mais je l'ai trouvé encore une fois. Bon, il est rentré en milieu de match, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est le dernier quart d'heure, il a été pour moi très très bon. Et d'ailleurs, c'est de lui que part le but sur une superbe passe à Guendouzi qui, derrière, voilà, délivre la passe à Rongier. Ouais, Gerson, on en parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Alors, en privé, j'ai notre as de la technique habituelle Small qui nous fait part de cette remarque assez importante. Évidemment, le règlement a changé, la double peine n'existe plus. Pour répondre à ce que je te disais tout à l'heure, Yannick, puisque je t'ai plutôt livrer mon sentiment plutôt que d'interpréter le règlement. Il faut vraiment qu'une faute qui soit dangereuse, en fait, en plus d'anéantir une action de but pour sortir le carton rouge lorsqu'il y a une faute dans la surface. Renaud, est-ce que tu veux me donner un petit peu tes impressions sur ce match, s'il te plaît? Oui, bah écoute, un match où on a eu encore beaucoup d'occasions. J'ai cru qu'on allait encore pas mettre de but, comme souvent, parce que sur la double confrontation, tu dois gagner à peu près 40-2, et on se retrouve qu'on a failli finir aux prolongations à cause de beaucoup de maladresse. Maintenant, je suis content, hein, je vais pas me plaindre parce qu'on est qualifié en quart et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cette petite lumière là pour le printemps et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait Ouais. plaisir, peu importe la coupe, tant que c'est une coupe d'Europe, en ce qui me concerne, je suis content. Il n'y a que ça qui me fait un peu vibrer, quoi. Bah oui, et puis on a tout un intérêt à se prendre au jeu. On en parlera dans cette deuxième sous-partie d'ailleurs. Et je voudrais vous faire part de cette remarque d'Anne Luce pour le coup qui nous dit qu'à noter que Barthez, évidemment il fut un temps, avait pris un rouge contre Valence pour une faute similaire au pénalty. À la finale à Göteborg, il y était aussi. Eh oui.
Arrivé à ce que j'ai pas entendu, est-ce que selon toi il y a des enseignements à tirer de ce match-là? Plus généralement, ouais, de ce match, quoi, pour moi, il y a des enseignements quand même à tirer. C'est que les principes de jeu sont revenus. Arrivé à ça, juste, je me permets de t'interrompre parce que j'entends énormément de ça grésille. Ah, ok. Est-ce que tu peux. Voilà. Là, ça allait mieux. Tu m'entends toujours si je te parle? Là, c'est mieux ou pas? Un peu mieux, mais on entendait. Si on... Ok, Là, ça serait presque mieux. Allez, vas-y, je t'en bon, prie. je vais essayer de retoucher s'il y a un problème. Mais du coup, ce que je disais, c'est que plus généralement, oui, il y a des enseignements à tirer, notamment au niveau des principes de jeu. Je trouve qu'on a eu, comme j'ai dit la dernière fois quand j'étais venu la semaine dernière, le retour de la verticalité dans le jeu, qui s'était déjà confirmé sur le match contre Brest, qu'on avait revu déjà au match aller, un peu plus d'intention avec ballon, beaucoup plus d'intensité même sans ballon. Et au-delà de ça, c'était un superbe match de Coupe d'Europe. Moi, j'ai bien aimé ce match, et même ceux qui ont regardé ce match avec une attitude neutre ont dû apprécier la rencontre. Mais niveau collectif, oui, il y a quelque chose de cohérent qui est en train de se réinstaller avec une certaine stabilité par rapport à ce qui s'est passé depuis la défaite face à Monaco. Et puis, si après on doit revenir sur les individualités, il y a quand même quelques individualités qui ont un peu déserté. Et qui sont un peu, c'est un peu les mêmes sur les derniers matchs, même s'il y a eu ce turnover. Mais comme ça a été dit juste avant, on l'a vu que quand les titulaires sont rentrés et qu'il a un peu rompu avec ce turnover quand il a vu que la qualif elle était menacée, Gerson a ébloui la rencontre de son talent. Et puis quand Camara rentre et que Rongier repasse latéral droit, tu vois que c'est très solide et qu'en face, balle ne fait pas le poids. Ouais. Alors, Arilès, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu de friture sur la ligne, comme nous le fait remarquer notre ami dans le chat. Je te laisse essayer de régler tes problèmes de son. Tu vois, là, par exemple, ça, j'entends plus rien, ça se passe très bien. Et je reviens vers toi dès que tu as réussi à faire le nécessaire, si ça ne t'ennuie pas. Yannick, si je ne m'abuse, ça fait 3 matchs, 3 victoires de suite, pour le coup, alors qu'il y a eu une réunion, pour le coup, qui semble avoir porté ses fruits parce que les résultats plaidaient clairement pas en la faveur de Sampaoli. C'est quoi le retour du succès, enfin la raison, pardon, du retour du succès? C'est cette défense à 4, c'est ce système qui semble en être un, c'est mettre les joueurs à leur poste, un amalgame de tout ça. Qu'est-ce qui explique Ben, ce qui explique ça selon toi? pour moi, ça fait 3 matchs qu'on a un peu plus de verticalité. Dès que tu joues un peu plus de verticalité, de suite, tu as des joueurs quand même qui se projettent bien. Et déjà, on l'a vu à Brest avec Harit. Bon, pour moi, Harit en 10, il avait été très bon à Brest parce qu'il avait eu cette verticalité. Il allait toujours de l'avant et il cassait les lignes, et, que ce soit techniquement ou avec des passes. Et moi je te dis, dès qu'on a cette verticalité, on est capable de faire de très bonnes choses. Du moment qu'on ne fait pas tourner ce ballon de droite à gauche et de gauche à droite derrière, là. Et ça fait 3 matchs qu'on le fait plus beaucoup, et comme il a très bien souligné, même à Bâle, on a eu cette fameuse verticalité qui, pour moi, nous permet d'avoir de bons résultats. Alors on espère que ça va continuer. On va voir surtout demain au Vélodrome, parce que depuis le dernier match qu'on a perdu, c'était contre Monaco. Au Vélodrome, on a rencontré derrière Bâle, je crois, mais bon, Bâle, c'était pas une. C'était bon, voilà, il faut, à un moment donné, il faut être, tout est relatif. Bâle, c'est pas une grande équipe européenne, c'est un bon club avec une ambiance chaude, etc. Il n'y a pas de souci, mais globalement, c'est pas une grande équipe européenne. Donc, il faudra voir demain contre Nice si on arrive au moins dans le jeu à continuer sur cette lancée. Voilà, donc si on continue sur cette lancée, pourquoi pas enchaîner d'autres victoires. Écoute, on va voir. Je ne sais pas si on m'entend mieux, mais je voulais rajouter un truc quand même sur la rencontre. Parce qu'au-delà de la prestation collective et de la logique sportive actuelle, dans le contexte où tu veux te remettre en place sur l'échelle européenne, le fait que tu ailles quand même gagné à Bâle, même si, enfin, parce que les clubs français habituellement n'arrivaient pas à gagner là-bas, et que tu gagnes ton match aller et ton match retour de huitième de finale de Coupe d'Europe, je crois que c'était la première fois. Depuis la campagne européenne où tu vas en finale face à l'Atlético, et c'était Bilbao. Et puis c'est aussi la première fois où tu retournes le scénario dans un match de Coupe d'Europe depuis le match face à l'Inter Milan en 2012. Du coup, ça a aussi une certaine symbolique, et c'est assez important quand tu vises avec ce projet, le projet de Pablo Longoria, à retrouver une certaine place sur le plan européen. Merci pour ton intervention. Comment dirais-je, pour revenir un petit peu sur la compo de départ, je vais me tourner un petit peu vers Renault. Est-ce qu'on retrouve un peu plus
de cohérence sur les choix de Sampaoli. Est-ce que tu trouves judicieux même Lirola qu'on a eu du mal à voir évoluer sur le côté droit de l'Olympique de Marseille? Je trouve que même si c'était pas encore ça, il y a eu du mieux. Le fait qu'on ait une défense à 4, un système intéressant, des joueurs à leur place. La composition, tu en as pensé quoi de ton côté? Du turnover aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on avait Milik, Gerson, Payet, évidemment, qui était absent. Plus généralement, sur les choix de Sampaoli, qu'est-ce que tu as pensé de lui sur ce match de Coupe d'Europe? Ben, je suis un petit peu d'accord avec Yannick, et avec toi aussi. On retrouve un peu de cohérence, on retrouve un peu de stabilité depuis 3 matchs, 3 ou 4 peut-être. Du moins sur le plan du schéma. Voilà. Après, effectivement, il fait un petit turnover au niveau des joueurs, ce qui est normal puisque c'était peut-être plutôt judicieux de faire souffler Milik avant Nice, faire souffler un peu Gerson. Pardon. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé, ouais, ça m'a pas paru illogique. Je ne suis pas particulièrement pro Sampaoli, mais là, ça fait quelques matchs que pourquoi pas. Je trouve ça beaucoup plus cohérent et d'ailleurs, ça se voit dans les résultats, puisque finalement, on passe cette manche c'est de huitième de finale en gagnant les 2 matchs. On ne passe pas à l'arrache en perdant un match et en passant ric-rac, comme on dit. Il y avait un peu de panache du coup, donc ouais, moi je suis Sampaoli comme ça, je prends, ouais. Ouais, plutôt Oui. satisfait. Tu as raison de le signifier parce qu'on a été critique avec Sampaoli à juste titre et on le sera de nouveau si ça commence. C'est pas Yannick qui va me contredire. Mais là, pour le coup, ses choix semblent être cohérents. Alors, je ne sais pas si. Il n'y a rien que pour l'homme, hein, attention, mais Ouais, c'est vraiment. ça. S'il a fait preuve d'autocritique, c'est très bien. Ben, bien Mais sûr. il faut qu'on voit ça à l'avenir. Tiens, je voudrais que tu gardes la parole et que tu me parles un petit peu aussi de Steve Mandanda qu'on a vu évoquer dans le but. Qu'est-ce que tu penses de ses prestations et de sa prestation justement sur ce match-là? Ben, moi, je suis un ancien gardien de but, donc je t'avoue que je suis un peu. J'aime bien, je suis content que tu me poses cette question. Écoute, je l'ai trouvé franchement très sécurisant, au rendez-vous, avec des arrêts, notamment au match aller, où quand même il nous sauve la mise 2 fois, notamment sur la tête de Rongier. Moi, je suis content de le revoir. J'aime beaucoup Paul Lopez aussi. J'aime bien les deux, hein. Il n'y a pas de polémique, mais je suis content de voir que il est au rendez-vous, il est concerné. Et franchement, moi, je l'ai trouvé sécurisant. Et puis, je fais une petite parenthèse. Moi, prendre un gardien pour son jeu au pied, c'est pas mon truc. Moi, un gardien, pour moi, il faut qu'il soit gardien de but et qu'il soit dans la cage. Donc, j'ai trouvé que Mandanda joue moins à la baballe, on lui demande moins de faire ça, contrairement à Paulo Lopez. Mais du coup aussi, lui, il a apporté de la verticalité avec des dégagements plutôt bien réussis. Voilà, c'est moi j'ai trouvé très bien, je suis très content de le voir à ce niveau et ça fait plaisir. Et puis c'est sécurisant, c'est rassurant, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu le sentiment aussi qu'avec ce nouveau système, notamment sur le dernier match de championnat à Brest, que Paulo Lopez aussi jouait un peu moins haut, jouait moins au pied. Tu C'est parlais vrai, t'as raison, t'as raison. tu vois, c'est exact. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle consigne de Sampaoli. En tout Ben, cas, j'espère, parce que pour jouer en latéralité, je ne sais pas si ça se dit, oui, en tout cas en latéral, pour faire le cinquième derrière et jouer à la baballe, on n'a pas besoin de prendre un gardien pour son jeu au pied. exactement. Tout le monde peut le faire, ça. C'est pas le gardien de Manchester City qui est capable de te faire des ouvertures terribles, de sauter les lignes et d'être très précis. Si c'est pour faire ça, peu importe qui est le gardien. Enfin, voilà, moi je suis content de voir Mandanda à ce niveau. Ça fait plaisir parce qu'on l'a pas toujours vu ces derniers temps à ce niveau quand il était titulaire en début de saison. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il est concerné et qu'il est au top de sa forme, quoi. Parce que c'est pas évident quand il y a deux trois arrêts à faire dans un match. C'est pas évident de tous les réussir et d'avoir un quasiment 100% de réussite, quoi. Sur le but, sur les 2 buts, à l'aller comme au retour, il est absolument pas fautif. Non. Il part du coup, hein. Ouais. Et il a été là, et nous a bien sauvé la mise quand même.
Alors, on a Anus qui nous dit Mandanda, il dégage quelque chose qu'on aime, qu'on connaît et qui nous rassure. Tout à fait. On a Julien Didry qui nous demande si c'est une consigne de Sampaoli ou si ce sont les joueurs qui ont repris le contrôle. Je pense, comme je le disais en introduction et comme je l'ai dit la semaine dernière, que ce dialogue entre tous a certainement été profite à l'OM en ce moment. Et je ne suis pas certain que Sampaoli se laisse dicter quoi que ce soit par qui que ce soit. Donc je suis tenté de te dire que tout le monde tire dans le même sens et c'est ce qui fait un peu qu'il y ait des réajustements actuellement sur le terrain. Alors justement, j'avais aussi Tito Fadatres qui nous disait qu'il Oui, trouvait qu'on ne parlait pas assez de Caleta de Sarr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur notre ami ouais. Caleta Ouais, Sarriani? je peux y aller, hein, Ouais, mais en plus, si... c'est mon collègue, il était avec moi au déplacement. Voilà, j'ai passé bonjour en tôt. Et d'ailleurs, si je peux faire une tout petite aparté, rien à voir, il a une chaîne stream où il joue à Call of et tout, c'est un monstre, allez le voir, c'est pas mal. Balance Tito Ouais, Fadatres. balance ton truc et comme ça, voilà. Ouais, pourquoi Caleta-Car? Ouais, écoute, moi je le trouve très régulier cette saison. On en parlait justement avec Tito après le match. Et ouais, il a encore été très solide. De toute façon, globalement, la défense a été très solide. Et pour revenir sur ce que disait le collègue juste avant, je suis d'accord avec lui, mais il y a aussi un gros changement dans l'animation. On voit plus ses passes latérales, ses jeux à la baballe, etc. Donc, on sent qu'il y a eu un changement dans l'animation. Après, les compositions restent quand même un peu pareilles, mais si dans l'animation, l'animation, c'est-à-dire ce que demande Sampaoli aux joueurs, c'est depuis 3-4 matchs, on sent qu'il y a une différence. C'est plus ce jeu de possession, de baballe, etc. C'est plus du jeu vers l'avant. Et ça, c'est un gros changement depuis 4 matchs. C'est pour ça que je te dis, on va voir demain s'il y a de la continuité dans ce qu'il veut faire. Si c'est dans ce sens-là et que ça prend. On peut voir de belles choses à la fin de saison. On ne va pas s'enflammer, bien sûr, parce que tu sais très bien que moi, je suis très critique envers Sampaoli. Je Bien trouve sûr. que globalement, ça fait, mis à part ces 3-4 derniers matchs où il y a du mieux je te dis, dans cette animation, avant, c'était un peu n'importe quoi. Donc, on va continuer comme ça et on va voir la suite. Ça, c'est à mettre à son crédit. Excusez-moi, hein, Romain. Non, je C'est t'en prie. plutôt à son honneur de faire un petit mea culpa, quoi, et d'essayer d'avoir un petit peu de continuité dans ce qu'il fait, de se rendre compte que ce qu'il faisait, c'était pas bon pour nous, quoi. Je pense que c'est tout à son honneur de revenir un petit peu sur ses principes, quoi. Bah, tu as De raison. revenir sur quelque chose de rationnel, surtout. Juste Romain, si je peux intervenir sur Caleta Tsar. Vas-y, je t'en prie. J'ai bien aimé la réflexion, mais c'est vrai que c'est un joueur dont on parle très rarement, même dans l'OM de Villas-Boas, où il était très important. On ne soulignait pas sa qualité, parce c'est clairement le deuxième meilleur défenseur central de l'effectif, derrière Saliba. Si ce n'est le meilleur en ce moment, parce que, il comble quand même depuis un certain match et il tient la baraque sur les erreurs du joueur qui est prêté par Arsenal. Et puis on le voit, il avait eu une période assez difficile à la fin du mercato, mais comme l'année dernière. Sauf que là, elle s'est rapidement étouffée. Là, il avait fait quelques erreurs quand même face à Montpellier. C'est lui, pour moi, qui nous coûte la défaite à Lyon parce qu'il fait une erreur et il fait couler l'équipe mentalement. Mais là, c'est vrai qu'on retrouve un Caleta de Sarr assez intéressant. Je pense que aussi le fait que Balerdi ait été replacé dans l'équipe, ça lui a un peu rappelé qu'il y avait quand même une concurrence. En défense centrale, même si je pense qu'il est à des années-lumière de Balerdi. Et puis ce que j'aime bien aussi chez Caleta Tsar, parce que c'est un défenseur qui a énormément de qualité, malgré son physique qui est rapide, c'est surtout que là il retrouve de l'agressivité. Comme tu as une équipe qui presse un peu plus haut, et c'était surtout le match à balle où tu l'as vu limite des fois presser l'arrière-droit adverse. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que là il est en train de devenir méchant, enfin, et d'avoir de l'agressivité positive, et c'est ce qu'il est en train de mettre, et là ça va lui bénéficier et ça va bénéficier à l'Olympique de Marseille sur les prochains matchs. Après, attention, les gars, il faut aussi relativiser beaucoup de choses. Alors, c'est sûr qu'on en demande toujours plus, mais il faut rester quand même méfiant parce qu'on a vu quand même depuis avant ces 3 victoires d'affilée, c'est-à-dire à Bâle à domicile, à Brest et à Bâle à l'extérieur. Avant, on a quand même vu des choses qui faisaient un peu peur pour la fin de saison. Tout à fait. Là, on a rencontré trois équipes, enfin deux équipes, pardon, sur un match aller-retour et à Brest. Qui était il faut quand même après être tout est relatif mais qui était quand même faible. Brest a été très faible même si on a fait notre match, attention, rien à dire sur ça. Mais et Bâle, je redis, mis à part là-bas chez eux où c'était un peu chaud,
où ils ont un bon public, etc. Il n'y a pas de souci sur ça, mais quand même, l'équipe de Bâle, globalement, c'est pas non plus. Je dis, c'est pas une grande Europe, quoi. On a fait de belles choses. Après, au-delà de l'adversité, il avait quand même des phases où t'as Saliba qui met une passe en retrait qui la rate, tu vois. Ça a beau être n'importe quel adversaire, c'est des situations compliquées à gérer. Et là où, sur les derniers matchs, même si c'était d'autres adversaires, bon, c'était Montpellier, quoi. Il a fait des erreurs de positionnement. Là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu repris. Mais pour ce qui est de l'individualité, ouais, Thiago Silva depuis Monaco, en tout cas, il s'est bien repris et j'ai l'impression qu'il remonte la pente. On sait que c'est un joueur qui, des fois, quand il passe à travers, c'est assez difficile. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est assez régulier. J'espère qu'on va le retrouver encore solide, là, surtout pour demain soir. Ouais, voilà, on espère aussi. Exactement. Alors, je voudrais saluer les habituels Laketemo, Paul Akiem, Barst 13. Pour ceux que je n'ai pas cités, excusez-moi, je vous citerai au fur et à mesure, n'ayez crainte. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour notre ami qui est affiché à l'écran, Fodé Diallo, donc grand fan de l'Olympique depuis Dakar. Écoute, beaucoup de force à toi. Merci pour l'amour que tu portes à l'Olympique de Marseille. Et évidemment, merci de nous suivre sur cette émission Made in Marseille. Et nous t'accueillerons, pardon, avec plaisir, si tu le souhaites, à l'avenir, si tu souhaites venir nous faire part un petit peu de ton amour pour l'OM et pour partager l'actualité de l'Olympique de Marseille avec nous. Ça sera vraiment un plaisir partagé pour toute l'équipe. Merci à toi, cher ami. Allez, j'aimerais qu'on poursuive. Alors, c'est vrai que ce match, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Alors, curieusement, tu le disais tout à l'heure, Yannick, c'est un peu aussi grâce à cette petite Coupe d'Europe qu'on retrouve un peu de sérénité. Rapport de cause à effet, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on voit que l'Olympique de Marseille est mieux. Ça sera de bonne augure pour la réception de Nice de demain. Mais avant de rentrer au cœur de la Ligue 1, j'ai envie qu'on reste encore sur les terres européennes. Et je me demandais si les supporters n'étaient pas un peu en train de se prendre au jeu de cette petite Coupe d'Europe, Yannick, même si je sais que tu n'en es pas fan, que nous n'étions peut-être pas forcément fans il y a 5 ou 6 mois lorsque nous en parlions. Est-ce que cette qualification est de nature à renverser un petit peu la table? Mais le problème de cette coupe, c'est que voilà, elle est pas très très glorieuse. Je changerai pas d'avis sur ça. Après, le truc qu'il y a, c'est moi ce qui m'inquiète, c'est justement c'est être encore qualifié. Alors c'est bien, c'est bien, on est en quart de finale. On va dire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de matchs en Ligue 1 très importants. Le classement est serré et j'ai peur que justement cette Coupe d'Europe nous prenne trop d'énergie et nous fasse au final sortir de ce podium qui reste important pour la suite. Alors après, important oui, mais il faudra voir avec quelle équipe on jouera l'année prochaine. Si on y est qualifié, c'est sûr, c'est toujours pareil, mais ça reste important de jouer les grandes coupes européennes et ne pas se concentrer sur les troisièmes classes de cette Coupe d'Europe, quoi. C'est pour ça que ça me fait peur, dans le sens où on se prend au jeu, oui, mais il faut pas que ça devienne l'objectif prioritaire et qu'on, d'un côté, on laisse tomber le championnat, parce qu'il y a encore quand même dans cette coupe, on n'a aucune certitude, même si la voie semble, on va dire, ouverte pour aller en finale. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on perde des forces et qu'on, justement, on perde des forces dans ce championnat très serré en fin de saison. Et comme on a souvent l'habitude, c'est aller en finale et derrière ne pas être sur le podium, comme on fait très souvent quand on fait des grosses épopées européennes, quoi. Et juste, ouais. Romain, pour répondre à ta question sur le champ de cette compétition et le fait que, vas-y, qu'on s'y mette, moi je trouve que elle a un certain charme quand même. Quand tu regardes les clubs qui y sont, c'est souvent des clubs populaires et qui ont une certaine dimension historique. Quand tu regardes en vrai le PAOK Salonique, il y a une certaine histoire, il y a une certaine ferveur, et c'est ce qui va un peu se distinguer de la Ligue des Champions, où tu as pas mal de clubs artificiels ou qui ont clairement enlevé la barre, la case football populaire. Et là, tu vas plutôt avoir des clubs qui ont une certaine ferveur avec un peuple derrière eux, même si c'est moins glamour, hein, sur le terrain. Mais quand on regarde les équipes qui restent, même un PSV Eindhoven, ça reste assez beau sportivement. La Roma, c'est quand même un club historique, Leicester. Je trouve que cette coupe a un certain charme et qu'il va encore se développer sur les prochaines années. C'est pour ça que peut-être que la gagner en premier, ça peut quand même rester. Parce que je pense qu'avec les réformes Champions League, que ce soit la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ça va devenir des compétitions aussi de haut niveau. On a Barça qui nous dit qu'il ne reste plus que 5 matchs pour gagner cette coupe. Je trouve que c'est peu.
Renaud, je voudrais que tu répondes à notre ami Anne Luce qui nous dit du fait que Paris, Rennes, Lille soient éliminés et que nous ne sommes plus que les seuls. Pourquoi pas prendre ce petit titre? On restera vu en Europe pour les potentiels recrues. Est-ce que tu penses que ça peut compter pour les joueurs qui seraient susceptibles de jouer à l'Olympique de Marseille à l'avenir, d'avoir cette visibilité européenne? Alors là, je ne sais pas du tout, mais peut-être, oui, effectivement, mais moi, je vibre beaucoup pour cette Coupe d'Europe. Alors, celle-là ou une autre, mais en l'occurrence, on a celle-là. On sait ce que c'est, nous, à Marseille, l'Europe. Voilà. Donc, peu importe la coupe, le niveau de la coupe, il y en a qui ont fait la chenille sur une Coupe des Coupes. Hein, on s'en souvient, voilà, ils en parlent encore. Alors, celle-là, elle ne vaut pas moins. Effectivement, je suis d'accord. Moi, ça me plaît beaucoup, tous ces clubs-là. C'est pas sexy, mais c'est vintage. Et c'est des vrais clubs de foot, quoi. Le Feyenoord, le PSV, la Roma, Leicester, même le PAOK Salonique, c'est des clubs historiques. Hein, moi, je trouve ça plutôt. Plutôt sympa, c'est vraiment la Coupe d'Europe pour moi, ça. Voilà. Et garde la parole, Renaud, par rapport à ce que tu viens de dire. Tu penses pas qu'il aurait fallu plutôt tirer un des deux gros que sont la Roma ou Leicester, bien que la Roma, je trouve Mais, que c'est tu vraiment sais. le nom qui nous fait part un petit peu de la force de l'adversaire qu'on peut rencontrer, parce que ça me paraît pas forcément plus difficile à battre que d'autres équipes encore présentes actuellement. Ah non, mais moi, le PAOK Salonique, je pense que ça va être difficile à battre si on les bat. Je me vois pas en finale déjà. En revanche, je me vois bien mettre un all-in sur cette coupe pour avoir un titre européen. Titre Ouais, européen. du coup, si je te rejoins, donc si on fait all-in, on joue plus le championnat, quoi. C'est J'ai ça pas le entendu. danger aussi. Parce que le all-in, on les fait souvent en Coupe d'Europe, et souvent en finale, ben, on tombe les dernières compétitions qu'on avait tapées. On avait tapé l'Ogre à l'époque. Enfin, l'Ogre, quand je dis l'Ogre, c'était l'équipe qui était largement au-dessus de nous, c'était l'Atlético. Avant ça, il y avait eu Parme. Avant ça, il y avait eu Valence. Avant, il y a eu Valence, pardon. Après, avant, il y a eu Parme. Et c'était toujours les clubs qui étaient ou champions dans leur pays là, cette année-là, ou vraiment au-dessus de nous, quoi, Oui, mais dans le regarde. niveau. Et au final, attends, et Ouais. au final, ben, au championnat, du coup, ben, c'est normal, on perdait on avait laissé tomber le championnat, on finissait loin, et au final, ben, on gagnait pas cette coupe. Donc, j'ai pas Bah, envie que ça se reproduise, quoi. après, Non, pour mais répondre à cet argument. c'est le risque. C'est le risque. Mais moi, ne pas jouer cette coupe, finir deuxième, si on finit deuxième, hein, parce que je sais pas comment ça va se passer. Je le souhaite de tout mon cœur, mais Ah, peut-être je me trompe aussi, mais j'espère aussi, ouais, tu as peut-être voilà. raison. Mais finir deuxième pour faire une Ligue des Champions ou dans laquelle on va peut-être finir troisième, ça va. On sait ce que c'est maintenant. Hein. On a pris cher ces dernières années. Donc moi, franchement, finir deuxième pour jouer une Coupe d'Europe alors qu'on en a une qu'on peut jouer maintenant, qui est à notre niveau, faut pas se cacher. Voilà, on n'en est pas encore à jouer la Ligue des Champions et avoir comment dirais-je, des prétentions. Non mais d'accord, mais alors non mais il faut aussi regarder, attends, tu peux dire, sur le fond, t'as pas tort, mais la forme, elle est différente. C'est que tu as une équipe qui est quand même beaucoup avec des prêts, avec option d'achat, tu vas enlever pas mal, mais il y a des joueurs qui vont sûrement pas rester, comme Saliba, Camara, etc. Si tu joues la Ligue des Champions, si tu joues la Ligue des Champions, tu peux faire progresser cet effectif dans le bon sens, c'est-à-dire attirer des joueurs de très bon niveau. Peut-être en prêt ou peut-être en achat, peut-être garder Saliba une saison de plus en prêt, on ne sait pas, tu sais. Mais si tu joues pas cette Ligue des Champions, l'effectif actuel qui est de bonne qualité, même si je trouve qu'il aurait pu être mieux coaché, mais il est de bonne qualité, tu risques, si tu n'es pas en Ligue des Champions, de l'affaiblir Oui, de tout dans le mauvais perdre. sens. Oui, de Dans le tout mauvais perdre. sens. Je Oui, comprends pas pourquoi on est aussi je peu, comprends, ça pourquoi on n'est pas discute. assez ambitieux sur ces compétitions-là. Il y a quand même eu des saisons où on a joué les deux. Certes, tu avais joué l'Atlético en 2018, mais c'était quand même un beau parcours et c'était des émotions. Mais tu étais aussi dans une Ligue 1 où la concurrence était extrêmement forte. Là, la concurrence, certes, tu as Rennes et Nice, mais qui ne dit pas que Rennes et Nice, leur dynamique va s'enrayer, que c'est des équipes qui ont normalement pas Bien l'habitude de jouer sûr. sprint finaux, Non mais. qu'ils ont un certain calendrier. Et moi, je te dis, tu as 5 matchs. En tout cas, si tu vas en finale, tu as 5 matchs.
Je suis désolé, c'est pas comme si tu avais 10 matchs de plus. Et au-delà de ça, les adversaires que tu auras en Ligue Europa Conférence, eux aussi, ils ont des objectifs en championnat. Le PSV Eindhoven, ils jouent le titre face à l'Ajax. La Roma, ils espèrent décrocher des places en Coupe d'Europe parce que la Serie A est. Et il y a énormément de concurrence cette saison. Leicester, ça met énormément d'intensité sur les matchs de première ligue le week-end. On n'est pas les seuls dans cette situation. Après, certes, on n'a pas l'effectif des autres équipes qui ont des ambitions en Coupe d'Europe et en championnat comme City et Liverpool. Mais par rapport à la concurrence, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe, moi je trouve que c'est pas irrationnel de tout mettre sur les deux. Pour moi, tu peux aller en Ligue des Champions et prendre Oui, cette mais, énorme non, mais, ah, mais, différence. non, mais bien entendu, bien entendu. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai peur que cet effectif soit un peu court pour jouer les deux. Alors, il y a un truc qui peut être pas mal et que j'aimerais bien qu'on fasse enfin. C'est par exemple le match aller à Bâle, tu dois entériner ta qualification au match aller Exactement. Et largement. là, je suis d'accord. Largement. Voilà. Et là, on reçoit le PAOK Salonique en premier. Si tu arrives à leur mettre 3 ou 4 buts d'écart, en gros, on va dire. Tu peux te permettre de mettre une équipe pas bis, mais une équipe comme tu as vu un peu à Bâle en première mi-temps, au début de match où il a mis quand même pas mal de remplaçants. Et du coup, ça laisse ces joueurs-là en tension dans un groupe. C'est bien pour la vie de groupe, pour la concurrence, etc. Mais c'est sûr que si tu as à domicile contre le PAOK Salonique, tu n'arrives pas à les enfoncer et tu pars là-bas avec une qualification incertaine. Ça va être compliqué parce que ça va être encore des matchs à intensité. Là-bas, ça va être compliqué parce que voilà, il y a quand même une certaine ferveur. Voilà, on a le PAOK Salonique. Il ne faut pas me faire croire que c'est. Je suis même persuadé qu'ils sont peut-être même plus faibles que Bâle. Et c'est pas Non, le gratin européen. Donc on doit. j'irai pas jusqu'à plus faible que Bâle. Par contre, sur ce que tu disais, sur le fait que tu pouvais faire tourner, en fait, là, sur ça, il y a deux écoles. Tu as les coachs qui dénigrent un peu la Coupe d'Europe et qui veulent faire tourner au match retour s'ils peuvent. Du coup, j'ai l'impression que Sampaoli, il est de cette école. Et tu as ceux, comme on avait avec Rudy Garcia, qui se disent, ouais, bah, ça me fait un 11 type et je les fais enchaîner jusqu'à la fin de saison. Comme ça, ils sont concernés, mon 11. Et quand j'ai un choc, je sais qui je fais jouer en finale. Mais après, pour revenir sur le PAOK Salonique et sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est plus fort que Bâle. En termes d'expérience européenne, même en termes d'expérience nationale là, sur l'équipe qu'ils ont. Et puis c'est une équipe, il ne faut pas oublier, qui a sorti Benfica en qualif de Ligue des Champions il y a l'année où on va en LDC, qu'ils ont des joueurs internationaux et que pour moi c'est largement au-dessus de Bâle et c'est bien parce que ça te fait monter crescendo. Si tu les tapes, derrière tu prendras Feyenoord qui est aussi au-dessus, derrière une finale face à un adversaire qui est aussi. Donc il y a aussi ça qui est intéressant dans la compétition. Allez, on a cette remarque Yannick. d'Alfano, les amis, pour le coup, qui est importante. Donc le POC Salonique est la meilleure défense du tournoi actuellement pour information. Je te relaisse la parole, Renaud, car vos échanges à tous les trois sont très sympas. Donc continuez comme ça, vas-y. Je voulais dire à Yannick, c'est quand les matchs aller-retour contre Salonique? C'est là, c'est au début avril, je crois, non? C'est après la trêve, C'est dans les 15 jours qui arrivent, 15 jours, 3 semaines. ouais, je crois à peu Ouais. près, ouais. On sera vite fixé. Si on est éliminé, bon, ben, effectivement, voilà. Mais si on est qualifié, imagine on se qualifie, tu vas en demi-finale. En demi-finale, tu vois, tu as mis un peu de faire, comme disait, le all-in sur ça, quoi. Parce que quand tu es en demi-finale, c'est pas là pour. Il faut y aller Ah mais bien maintenant. entendu, après quand tu es en Voilà. demi-finale, c'est sûr que Et là, tu te qualifies pour la finale et pour aller au bout, je c'est te sûr. garantis que si on la gagne, on va la faire tous les deux la chenille. Et le championnat, tu vas plus y penser. Donc là, le 7 et 14 avril, hein, le match aller en quart de finale pour. Non, mais je comprends tout, hein, parce que de toute façon, et puis on est bien prétentieux de se dire on va gagner ça, on laisse tomber ça, prenons tous les matchs, essayons de nous qualifier et Ah, mais moi, voyons. ce que je veux te dire par là, c'est que financièrement parlant, pour faire pour la qualification de Ligue des Champions, est hyper importante, pas pour la jouer, parce qu'on la joue pour l'instant, enfin, même, on la jouera jamais pour la gagner dans l'état actuel du club, on va dire. Après, il faudra voir par la suite. Mais financièrement parlant, pour faire progresser l'équipe et pas perdre tout le bénéfice de cette saison. Il faudra quand même essayer de se qualifier en Ligue des Champions. Moi, c'est dans ce sens-là. Parce que malheureusement, économiquement parlant, le club, il n'est pas au mieux, loin de là. Et il ne faut pas vous faire croire le contraire. Et cette année, on a quand même une équipe qui vaut le coup. Je te dis, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, j'ai peur que l'équipe, du coup, régresse parce qu'on va vendre beaucoup de joueurs et perdre beaucoup de joueurs. Et que finalement, si tu n'es pas en Ligue des Champions, tu ne pourras pas recruter avoir des joueurs intéressants.
Parce que en Ligue des Champions, le problème, c'est que tu peux attirer des joueurs qui veulent se montrer, qui sont en perte de temps de jeu, des noms, des super joueurs. Et au final, si tu n'y es pas, moi, franchement, ça me fait flipper pour l'avenir de ce club parce qu'on n'a aucune certitude de rien, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu lassant. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait au niveau de la direction de l'OM, de comment ça va se passer, on ne sait pas. On parle de vente, pas de vente, on s'en fout, on n'en est pas là. Mais si, ouais, on ne sait rien. Donc voilà. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je pense que la Ligue des Champions, c'est encore trop pour nous, même si ça rapporte des sous. Et je pense qu'on serait plutôt bien inspiré d'essayer de jouer la Conference League. Ne nous croyons pas plus haut que ce qu'on est. Ça donne en plus une qualification en Europa League. Je ne suis pas un gagne-petit, hein, mais moi, j'aime bien vibrer pour l'Europe, tu vois. Et franchement, ça... Au-delà de ça, ça te fait de l'expérience aussi de gagner un trophée, tu vois, parce que ben t'as oui, un club bien sûr, qui gagne bien plus de sûr. Et trophées puis, depuis 10 les ans. trophées, on s'en souviendra. Et tu vois, par exemple, des joueurs comme Bamba Dieng et Gueye, eux, ils auront cette expérience de gagner des trophées, tu vois, parce qu'ils ont pris une CAN. Gerson, il a l'habitude de gagner des trophées au Brésil. Ça peut faire un trophée pour Payet, parce qu'il n'en a jamais gagné quand même. Gagner une Coupe d'Europe, ça peut être intéressant. Et puis même pour Mandanda, pour sa fin, pour Sampaoli, pour le bilan, s'il n'est pas là l'année prochaine, ça peut être intéressant. Et juste ce que je voulais dire, il y a aussi une donne qu'on oublie, parce que certes, physiquement, ça peut prendre un peu sur l'énergie que tu laisses en championnat. Mais quand on regarde le sprint final avec Garcia, tu perds pas tes points pour aller en Champions League sur le sprint final. Tu les perds avant. Tu les perds avant tes demi-finales et tes quarts de finale. Tu les perds sur les matchs face à Lyon. Au contraire, moi, je trouvais que ça t'apportait de la confiance quand tu battais Salzbourg le jeudi et que tu jouais Nice le dimanche soir. Quand tu tapais Salzbourg, tu arrivais confiant et tu renversais Nice au Ouais, Vélodrome. mais attends, le problème, c'était la Coupe d'Europe, c'était la Coupe Europa. Elle a un standing, celle-là, tu vois. Alors que la Ligue Conférence, excuse-moi, mais ça, je reste sur ce que je dis depuis le début. Même si, au final, si on la gagne, ben, tant mieux, mais il faut pas non plus croire qu'on va être une grande Europe en gagnant la Coupe Ah non, non, Conférence. non, non, mais Non, je parle pas de non, confiance. Mais même si c'est des soyons matchs de clairs, coupe, quoi. même si c'est des matchs de Coupe de Oui, France, non, enfin, mais tu vois, d'accord, non, je suis d'accord avec gagner toi, en mais semaine il y a avec le plus de week-end à une standing, victoire. il y a plus de standing à gagner l'Europa League, parce que l'Europa League, pour moi, est au niveau actuel de l'OM, enfin, le niveau actuel du club, on doit se situer dans l'Europa League et justement la débuter pour la gagner, ce qui n'a pas été le cas, hein, d'ailleurs. On finit lamentablement troisième et on se Ben qualifie pour voilà. cette fameuse Conference League. Bon, on y est encore, on est en quart de finale. C'est sûr que sur le fond, ben, si on arrive à la gagner, bon, pourquoi pas. Mais il faut pas non plus croire que la gagner, tu vois, j'entends déjà des gens dire, ouais, si on la gagne, jamais les premiers et tout, mais c'est une coupe en chocolat, les gars. Hein, donc, Non, je suis c'est pas il d'accord fallait. sur ça. Ah, Bon, si, il fallait jouer à fond la Coupe d'Europe. Là, j'aurais été d'accord avec toi de jouer à fond la Coupe d'Europe et d'essayer de gagner cette Coupe d'Europe parce qu'on est au niveau pour essayer de la gagner. Et on a failli. Mais par contre, la Conference League, oui, on est au niveau pour la gagner, certes. Mais si on la gagne, il ne faudra pas non plus s'enflammer en disant qu'on arrive à faire des choses extraordinaires, quoi. Voilà. Ben, je m'enflammerai seul, alors, parce que... Ouais, écoute, c'est mon avis, après. Ça n'engage que moi. C'est le moment de proposer un petit sondage, tiens, à tous nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier l'éventualité d'un titre et donc la Ligue 1, pour le coup, pardon, et la Conference League, ou une hypothétique deuxième place, et par conséquent, la Ligue 1 et le podium. Donc, vous allez avoir le sondage hein, sur le haut du chat, vous pouvez voter, puis on donnera d'ici quelques minutes, peut-être en début de deuxième partie. Les résultats. Alors, il y avait ce Black Twister qui nous dit arrêtez de faire les fines bouches. Il y avait un Ouais, autre peut-être. commentaire juste. Mais après, j'ai écouté avec attention justement vos échanges. Bah, tout s'entend, bien sûr. Tout s'entend, ça c'est une certitude. Mais est-ce que vous pensez qu'on va faire l'erreur que nous avons faite en Coupe de France, qui a été aussi partagée par Dimitri Payet et d'autres joueurs? Erreur selon laquelle il était facile de battre Nice et d'arriver en finale, vous me voyez venir. Erreur selon laquelle il serait facile de battre Salonique et d'avoir une finale qui nous tend les bras. Est-ce que vous pensez qu'avec ce tirage au sort, la finale nous tend les bras? Du coup, je t'avais répondu, Romain, tout à l'heure par rapport au standing des équipes. Bien sûr. En fait, on n'est pas, faut pas être arrogant et dire qu'on va taper Salonique et derrière tu vas taper Feyenoord. Faut juste se dire qu'en termes de projection, la victoire finale est envisageable par rapport à la Ligue Europa 2018
où tu pouvais dire que ouais, ça allait être chaud de la gagner parce que dans le dernier carré, tu as Arsenal et tu as l'Atlético. Là, quand tu vois le standing des équipes, quand tu vois ce qu'elles font cette saison, je pense que tu as des équipes que tu affrontes qui sont à peu près du même niveau sur l'échelle européenne, que ce soit un Leicester qui a galéré un peu en Ligue Europa, ou même la Roma qui en perte aussi de stature. Moi, je pense que c'est envisageable. Après, quand je regarde les équipes qui en lice, pour moi, on n'est pas favori. Pour moi, il y a une équipe qui est au-dessus, c'est le PSV Eindhoven. Mais sinon, si tu regardes aussi l'attitude de tes potentiels adversaires, eux aussi ne veulent pas te tirer. Donc, quand tu vois aussi que tu prends l'autre quart de finale potentiellement en demi, qui est le moins élevé en niveau, en tout cas le Slavia Prague et Feyenoord ne font pas office de grands favoris non plus. Je pense qu'en termes de projection, c'est assez intéressant. Après, faut pas être arrogant, faut jouer chaque quart de finale et puis derrière, s'il y a une demi et la finale à fond. Mais je pense que, Tout en tout cas, c'est envisageable. Sans être arrogant, hein, bien sûr. à Faut fait. juste Entièrement avoir de d'accord. l'ambition. Oui. Quelqu'un veut rebondir? Renaud, c'est toi que j'ai entendu? Ah, je suis entièrement d'accord. Je ne me vois pas arriver. En revanche, effectivement, on est dans le dans le dans on est au niveau de pouvoir la gagner, comme ni moins ni plus que les autres, mais on a notre chance à jouer, quoi. Non, non, moi j'attends Salonique, je les connais pas et je vais pas me voir arriver. Je vais pas. Je me souviens que quand on était tombé sur Manchester City, qui en avait Porto et Olympiakos, on se voyait déjà deuxième voire troisième. L'Olympiakos, on va les battre finalement, on a fini dernier. Donc moi, Salonique, je les connais pas. Je sais que ça va être dur là-bas. Ça risque d'être dur ici, et puis on se connaît pas nous-mêmes parce qu'on ne sait même pas comment on jouera. Voilà. Après, pour conclure sur cette Coupe d'Europe, on a tellement galvaudé la C3 par le passé, et en étant éliminé, en disant, ah, c'est pas grave, c'était que la petite Coupe d'Europe. Je pense qu'il faut pas, là, maintenant qu'on y est, il faut essayer de la jouer, et puis Bien sûr, tu es en quart de finale. Maintenant que tu es en voilà. quart de finale, c'est clair qu'il faut essayer d'aller au bout. Mais que, enfin, moi, à mon avis, que même si tu vas au bout, c'est très bien, attention, il faut pas faire la fine bouche, comme ils disent, Bien sûr. mais il faut pas se croire sur le sommet de l'Europe, voilà ce que je veux Non, dire. voilà, Voilà, personne n'a dit ça. ouais. Mais par contre, là où je voulais en venir aussi, les amis, c'est qu'on a eu ces discussions sur cette petite Coupe d'Europe dès l'instant où on a été éliminé de la C3, et j'ai pas l'impression qu'il y avait autant d'avis positifs que ça. Alors, Yannick nous montre justement qu'il faut quand même qu'on relativise face à l'éventualité de ce trophée, mais je regarde dans le chat, je regarde sur les réseaux, je vois quand même, c'était un petit peu le sens de ma question au début de cette partie en demandant si les supporters n'étaient pas en train de se prendre au jeu. Je vois beaucoup, beaucoup d'avis positifs sur le fait de pouvoir espérer l'emporter, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Alors c'est peut-être le fait qu'on soit en quart Là, désormais. tu es en quart, c'est normal. Tu vois le bout du trophée, quoi. Tu le vois de loin, quoi. Donc tu te dis, voilà, tu es plus près de la finale. Alors que quand tu la débutes, tu te dis, bon, on vient de finir lamentablement troisième en Coupe d'Europe. On est reversé dans cette coupe. On sait même pas comment ça se fait qu'on est reversé là-dedans. Donc au début, c'est sûr que tu te dis, bon, écoute, limite, on s'en fout un peu. Là, tu viens de passer Bâle, et avant, tu as passé, putain, comment ça s'appelle? Karabakh. Karabakh. Karabakh et tout, donc tu te dis, bon, maintenant tu es en quart de finale, c'est sûr que voilà, tu as 2 matchs d'une demi-finale de Coupe d'Europe, voilà, c'est normal d'un coup de te dire, bon, mais pourquoi pas l'Euro? C'est logique, et même moi le premier, oui, on va essayer d'aller au bout, pourquoi pas, mais moi, je reste sur le truc que pour l'OM, on doit viser plus haut que cette Coupe d'Europe-là, quoi. Même si on la gagne, c'est très très bien, ça sera fin, une ligne sur notre palmarès, etc. Comme vous dites, pour l'expérience, etc., il n'y a pas de souci. Mais il faut que le club ait plus d'exigences et viser au moins dans un premier temps de gagner cette Europa League. Parce que l'Europa League, je suis désolé, mais cette année, on avait largement de quoi faire et Je de ne suis quoi pas figurer d'accord, en hein. finale. Je ne suis Ah, pas mais d'accord putain, sur c'est ce pas que tu possible, dis. tu as vu les matchs. Ah, tu as vu le... Mais comment tu peux pas être d'accord quand tu as vu les matchs Non, contre parce qui que on tu a manquais joué? d'expérience européenne. Quand tu joues avec une Peut-être. équipe aussi jeune, tu ne peux pas viser de gagner Peut-être. l'Europa League. Quand tu regardes que même Galatasaray, qui fait sa pire saison, qui joue le maintien en Super League, te tape sur des détails, c'est juste que tu n'as pas l'expérience européenne. Et quand tu regardes nos résultats en T'as Coupe peut-être pas d'Europe, eu le coach parce aussi que. à la Non, non, dimension non. européenne. Non, pour Arrêtez. moi, on se voit trop beau. On se voit Mais trop beau. non, mais Et tu as vu des matchs. on s'est fait taper par des Bon, je suis pas Limassol d'accord. à Je domicile. suis pas d'accord, Et je suis pas d'accord certes, je du sais tout. très bien qu'il Je y suis a eu pas Liberbio, d'accord, mais tu Hier peux dire ce que Deschamps. tu veux. Je suis pas Laisse-moi d'accord. argumenter.
Laisse-moi Non, mettre. mais Yannick, ce qu'on veut dire, c'est que on est d'accord que Ah, vous avez vu le groupe qu'on avait là en Coupe de... Vous avez vu le groupe qu'on avait en Europa League? Faut pas déconner, faut pas déconner. On a été lamentable, on a été lamentable face à des équipes qui étaient largement prenables. Il faut arrêter de me faire croire que le groupe qu'on avait, il était largement au-dessus Ah de mais nous. j'ai jamais dit Justement, ça. Yannick. Ah ben, c'est ce que tu es en train de me dire, quoi. Mais pas du tout, j'ai dit que c'était le pire Galatasaray de ces 10 dernières années Ah ben et voilà, que donc quand je te dis c'est. qu'on pouvait, quand je te Oui, dis qu'on pouvait mais. figurer dans cette Coupe d'Europe, tu me dis Ah non, 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 on non. n'avait Bah pas le tu vois, niveau. je vais La preuve, on n'y est t'expliquer pas. pourquoi. Je vais t'expliquer On pourquoi. pouvait, tu dis. Écoute, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Je t'ai dit, moi je t'ai dit que vu qu'on a vu que ça s'est joué sur des détails, et que c'était des équipes qui certes ont l'habitude de la Coupe d'Europe, mais étaient mauvaises. Enfin, la Lazio cette année, Sarri il est en rodage, Locomotive, certes ils ont l'expérience européenne, mais on va dire la vérité, ils sont nuls. Et Galatasaray, ils ont viré Fatih Terim. Donc c'est juste pour dire la saison catastrophique qu'ils font. Mais quand tu te vois que sur ces matchs-là, ça joue sur des détails, ça te montre que certes, en termes de production, tu es au niveau, mais en termes de mentalité Coupe d'Europe, tu ne l'es pas. Et cette mentalité Coupe d'Europe, tu l'as plus depuis Deschamps, parce que tu t'es sabordé sur tes campagnes de Ligue des Champions. Hormis la saison Garcia, et même quand tu regardes sa deuxième saison au final en Coupe d'Europe, c'était catastrophique. Et puis tu es dans cette logique, Longoria a cet objectif où il veut refaire de l'OM un club phare en Europe, sauf qu'au final t'as plus cette culture Coupe d'Europe et pour moi tu es obligé de passer par cette Ligue Europa Conférence pour jouer des équipes qui pour moi certes n'ont pas ton niveau mais qui en termes de stature sont à ton même niveau parce que Salonique ils ont fait plus de participation en Ligue des Champions que nous ces dernières années parce que Leicester c'est intéressant en Ligue Europa donc pour moi cette Ligue Europa Conférence faut pas la négliger. Messieurs, je voudrais saluer Sandemars aussi qui vient nous rejoindre. C'est une Coupe d'Europe pour apprendre à gagner. Si j'essaie de tirer les conclusions de ce que vous avez dit, en espérant mieux, justement, Yannick, tu as raison de le signifier aussi. En fait, vos commentaires se complètent très bien. Je voulais vous demander un petit peu. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant chez Sampaoli. Donc, je vais pouvoir le signifier puisque ça n'arrive pas toutes les semaines. J'ai trouvé son turnover rationnel sur ce qui s'est fait sur ce match, sur cette coupe de, sur ce match aller-retour, clairement. Et est-ce que vous ne pensez pas justement, alors on a vu cette réflexion aussi de son adjoint qui est en conférence de presse sur les blessés, qui louait le travail justement de tout le staff, parce que c'est vrai que pour l'instant, on croise les doigts, on est plutôt épargné par les blessures. Et j'ai trouvé son turnover assez intéressant sur ces matchs de Coupe d'Europe. Et je me suis dit pour le coup qu'il pouvait nous permettre de nourrir des espoirs à la fois sur le championnat et à la fois sur la scène européenne. Et c'est ce qui me permet également de vous dire que vous êtes 52% à souhaiter privilégier le podium, 41% la Conference League et 7% sans opinion. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon justement sur ces derniers matchs d'utiliser l'effectif Renault par l'entraîneur? Pour une fois, moi je suis un peu comme toi, hein. C'est pas tous les 4 matins que je vais faire une éloge de Sampaoli, mais effectivement, là je trouve que c'était rationnel, c'était cohérent. On a gardé un schéma, on est resté là-dessus. Il a changé les hommes. Après, je sais plus trop qui était blessé, pas blessé, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent. C'est avant-hier, ouais, avant-hier, à Bâle, d'avoir commencé le match comme ça, pour pouvoir faire souffler Milik, Gerson, Camara. Même pas, même dans Moi, ces je suis choses. rassuré. Franchement, je sais pas comment ça va finir. Je sais comment ça va continuer. Mais en ce moment, je suis plutôt rassuré par Sampaoli. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté sur quelque chose qui fonctionne à peu près. Je dis pas que ça va être fantastique après. Je sais pas. Mais voilà. On sait où. On sait comment on joue. Voilà. On sait comment on joue. Il y a aussi le truc que les joueurs dits remplaçants, on va dire, à qui il a donné un peu de temps de jeu ces derniers temps, ont répondu présent. Que tu as Harit, à Bâle, il rate le péno, bon, bref. Mais il avait été bon à Brest. Il y a Pape Gay, il a été très bon, je trouve, à Bâle, à Brest aussi. Donc, c'est des joueurs qui sont dits remplaçants, on va dire, mais qui ont répondu présent et ces derniers temps, justement, quand il mettait une équipe un peu hybride avec des joueurs du banc, c'était pas forcément le cas. Donc peut-être que là, il y a cette Coupe d'Europe qu'elle galvanise le groupe dans ce sens-là, c'est-à-dire que les joueurs savent qu'il y a des matchs à jouer et essayent de gagner leur place ou essayent de tout donner pour
pour au moins remporter ce trophée et faire quelque chose. Mais on sent quand même que depuis 4-5 matchs, il y a un groupe qui s'est peut-être remis en question après la défaite de Monaco, qui a sûrement fait mal à la tête, à tout le groupe. Et il y a peut-être eu des discussions, il y a peut-être eu des discussions avec l'entraîneur. Peut-être les joueurs ont dit ce qui n'allait pas et ce qui ne leur plaisait pas. Et on ne sait pas, on n'est pas dans la vie de groupe, mais on sent que depuis cette défaite contre Monaco, il y a un mieux. Mais le mieux doit continuer. Et donc pour l'instant, on ne va pas s'enflammer. Comme je dis, on a rencontré deux équipes largement à notre portée. On a très bien géré ces matchs-là. Mais on va voir demain déjà contre Nice, qui est quand même une équipe d'un très bon niveau. Et si on arrive à remporter Nice, par contre, là, en plus avec la manière, on pourra dire quand même qu'il y a du beaucoup mieux et que peut-être la fin de saison, on peut l'avoir différemment, on verra. On a Sandemars qui nous dit on a une gestion d'effectifs différente depuis le match de Monaco. Il y a un abcès qui a été percé, je pense. Tiens, je vais passer la parole à Ariles. Dans la gestion d'effectifs, moi par contre, alors pour nos deux retours de la CAN, on a vu un Pape Gay qui a pris une autre dimension, je trouve, au sein de l'effectif de l'OM, qui est très bon sur le terrain. Et par contre, on a le petit Dieng qui a carrément disparu des radars. Est-ce que tu comprends qu'il soit plus utilisé par l'entraîneur actuellement? Non mais ça m'étonne pas, mais je comprends pas non plus le fait que Conrad soit plus sur le terrain. Et puis ça s'ajoute à une liste longue de joueurs qui ont été enraillés dans leur dont la progression a été enraillée alors qu'ils étaient dans une bonne dynamique. Et c'est ça que je reproche à Sampaoli. La gestion d'effectifs différente depuis Monaco, il n'y a pas eu 15 matchs depuis Monaco, donc tu peux pas juger ça sur la durée. Je suis pas trop d'accord sur cet argument. C'est comme les tweets que j'ai vus où les supporters disaient que Sampaoli il faisait un bon coaching depuis Monaco. Il y a eu 2-3 matchs quand même, donc faut pas non plus s'enflammer. Et pour Bamba Dieng, je comprends pas pourquoi il rentre pas sur un match comme ça face à Bâle. Je pense pas qu'il va rentrer ou qu'il va jouer demain face à Nice. Donc évidemment que tu peux être mécontent de la gestion du cas Bamba Dieng, mais comme tu peux être mécontent du fait que Conrad, après avoir planté face à Karabag, avoir enfin ouvert le chemin des, avoir enfin trouvé le chemin des filets, il n'ait pas été reconduit. Pour moi, c'est limite du sabotage par rapport à l'évolution de ces jeunes joueurs, parce que c'est des joueurs que tu dois mettre en confiance, qui ont un potentiel à confirmer, et les sortir à la moindre bonne performance, je ne comprends pas du tout ce fonctionnement. Et c'est là où il va s'opposer avec le coach qui va nous affronter demain soir. C'est un coach qui, lui, sait gérer les pépites, enfin les pépites, en tout cas les joueurs qui ont un gros potentiel et qui a un aspect management qui est beaucoup plus développé que Sampaoli. Ouais, et puis en plus, j'ai l'impression, en plus, sur ça, je te rejoins. J'ai l'impression que depuis 3-4 matchs, c'est pas Sampaoli qui a repris la main, c'est le groupe qui a repris la main sur Sampaoli. Tu sens quand même qu'il y a une dynamique depuis la défaite de Monaco, ils ont dû se parler, et tu sens qu'il n'y a plus du tout la même animation dans le jeu. Et c'est vrai que, voilà, Sampaoli, il continue quand même à faire des trucs. Voilà, comme tu dis, à Bâle, pourquoi ne pas avoir mis le petit Dieng? Ça fait X temps qu'il joue plus. Pourquoi ne pas mettre Conrad? Alors, on a gagné, on a fait un bon match. Donc, du coup, tout le monde va te dire, ouais, mais il a fait les bons choix. Mais c'est des joueurs que c'est des matchs où ce style de joueur-là. Doivent jouer et doivent t'apporter parce que Dieng, même s'il est assez maladroit, il se procure énormément d'occasions. Il a cette capacité à se créer des occasions. Il a une vitesse monstrueuse. Et bon, le petit Conrad, même si je le trouve un peu frêle, quand même, il bouge sur son côté. Et bon, il fait pas toujours les bons choix, mais il est dans un axe C'est de ça qui progression. Il est percute, jeune. hein. C'est ça Voilà, il qui est percute jeune. dans Il est. l'effectif. Et c'est là où il peut t'apporter sur le côté gauche, même si là, t'as Gerson dessus. Je Ouais, vois, bien sûr. il y a Dutchouof Marseille qui a dit vaut mieux saboter un joueur que de saboter un match. Je sais pas si Bamba Dieng il te sabotera un match si tu le mets devant, tu vois. Je Mais sais pas si on parle c'est différent d'Alvaro pour vous. également. C'est vrai qu'Alvaro Ouais. a disparu des radars depuis un moment, plutôt à la faveur de Balerdi, qu'on arrive à revoir un petit peu. C'est vrai que Sampaoli, il est un peu coutumier du fait. Je reviens sur ce que disaient Rami et Nasri lorsqu'ils l'ont eu sous lorsqu'il les a eus sous leurs à ses ordres, pardon, lorsqu'il était à Séville. Ces derniers disaient que lorsque tu avais les faveurs du coach, c'était vraiment très intéressant, mais que ça pouvait vite se compliquer quand il t'avait un petit peu dans le collimateur. Visiblement, il est quand même coutumier du fait d'avoir certaines personnes au bout justement du fusil avec un jugement assez sévère et sectaire, ce qui semble être le cas par moment, mais on espère qu'il puisse justement changer d'avis au sujet de certains, notamment du petit Dieng qui a fait une très bonne CAN, qui est un joueur justement qui est, comme tu le disais, qui est en pleine progression actuellement et qu'on aimerait voir un petit peu plus.
Pour passer sur la deuxième partie et le match contre Nice, moi, contrairement à toi, Riliès, vu la façon que Sampaoli a de sortir certains joueurs de nulle part et de les remettre sur la feuille de match, comme ça a pu être le cas avec Luis Enrique ou Conrad que tu citais tout à l'heure, je pense que il est possible qu'on arrive à le voir, pourquoi pas même titulaire sur ce match de demain. Donc match sous haute d'alerte maximum. On a Gilles qui nous rejoint actuellement. Est-ce que tu nous entends, Gilles? Aïe, aïe, aïe. Ça va, les gars? Allez, un Copacabana. Ça fait plaisir de te voir avec moi. Regardez avec qui je suis. Ah. Oh, Carlos. Oh là là. Oh, Carlos Moser, messieurs, dames, en direct. Vous. Mais dites-nous. Vous les je vous l'avais dit. De Marseille. Ah, bonjour, comment ça va? Allez loin, c'est Carlos Moser. Carlos Moser, on t'a pas oublié, merci. Attends que je vais mettre la lunette, que je regarde pas bien. Ça marche. Quelle chance nous avons d'être en direct avec Carlos Moser et Gilles, évidemment, qui nous permet de retrouver Carlos Moser. Bonjour Carlos, comment allez-vous? Merci de nous retrouver sur notre émission. Alors bonjour Marseillais, comment ça va tout le monde? Ça alors, va Carlos, c'est ça que nous manque Carlos. Hein. Ouais. Au moins tu levais les Parisiens, c'était bon ça. Je te dis l'ami des protèges qu'il y a. Ouais, bien sûr. Hein. J'ai quelques petites questions Carlos pour vous, si vous avez quelques minutes à nous accorder. Allez, ouais, allez, 5 minutes, allez, 5 minutes. 5 minutes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à l'OM sur la saison 89-90 de Benfica? Bon, je crois que c'était pour mon travail à Benfica, hein, parce que je trouve que notre grand président, maintenant que Dieu le peut le porter en bonne place où il est, je crois qu'il a admiré mon travail et c'est pour ça que j'ai arrivé à Marseille. Un travail qu'on a beaucoup aimé, nous. On a beaucoup aimé vous voir à l'Olympique de Marseille. Et je voudrais juste enchaîner pour l'actualité olympienne aussi. Qu'est-ce que vous pensez de Gerson à l'OM en ce moment, de ses prestations au sein de l'équipe olympienne? Je attendais plus parce que techniquement, il est capable de jouer beaucoup, beaucoup mieux. Je crois que la mentalité, il faut être une mentalité différente pour jouer à Marseille. En parlant ici avant, que je trouve qu'à Marseille, c'est une ville complètement différente de tous les autres. Marseille, il faut être un garçon vraiment costaud pour travailler à Marseille, parce que le public il est très, très exigeant. Avec l'histoire da Vila de Marseille, le footballeur qui arrive à Marseille, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la ville elle est chaude. Il y a beaucoup de mélangés de races sur Marseille. Et les races qui sont de beaucoup de travail, qui cherchent leur vie. Il faut travailler beaucoup et là, ils attendent. Que le footballeur qui arrive à Marseille, ele peut voir le même comportement. Ah, je parlais avec le père de Gerson, parce que à Marseille, c'est incroyable. Tu as un public merveilleux, mais très exigeant aussi. Et là, le comportement, il faut changer. Il faut bagarrer au début jusqu'à la fin. Et le prolongement que l'arbitre lui donnait, il faut être costaud. J'espère qu'il peut comprendre ça. Il a un an d'expérience et on va voir s'il va progresser la deuxième année. Espérons-le. Vous aviez, Carlos, proposé Paqueta à l'OM en 2018 lorsqu'il était à Flamengo. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Flamengo qui actuellement pourrait faire les beaux jours de l'Olympique de Marseille? Ouais, je crois que les footballeurs brésiliens, ils ont partout de bons joueurs.
Le plus important est savoir la mentalité. Hein, la mentalité de jeunes garçons. J'ai indiqué Paqueta avant, mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas cru à nous qui nous étions footballeurs avant. Mais il prouve maintenant qu'il est vraiment un très bon joueur, de bonne mentalité. Maintenant, je crois qu'à Lyon, il est un des plus importants de l'équipe. Je suis content pour ça. C'est un garçon merveilleux, c'est un garçon tranquille avec sa famille. Il est marié, il travaille dur. Il a changé beaucoup aussi parce qu'il était jeune. Maintenant, il est plus adulte. Et donc, il cherche le meilleur pour son club, pour Loa et pour sa famille. Ça, c'est le plus important. Carlos, est-ce que je peux me permettre de poser une question ? Je crois que tu es directeur sportif de Flamengo actuellement. Est-ce que dans Non, je ne sais pas. Ah, pardon. Est-ce que dans un avenir, tu pourrais collaborer avec l'Olympique de Marseille pour le recrutement ou scout au Brésil pour notre club ? Ça serait important d'avoir ça serait important d'avoir des anciens de notre club, des anciennes gloires de notre club qui travaillent pour l'avenir de ce merveilleux club qu'est l'Olympique de Marseille. La dernière fois que j'étais à Marseille, j'ai essayé de faire, partenariat avec l'Olympique de Marseille et Flamengo. On a discuté un peu avec le président, mais je crois qu'avec beaucoup de boulot que le président il est en train de développer à Marseille, il, peut-être qu'il a oublié de ça. C'est dommage, mais je crois que l'intention elle permanece toujours bien ouverte. Et je trouve que c'est très important parce que le Flamengo il a un excellent travail à niveau de formation. Et je pense que le futur est important pour le Marseille. Ouais. On vous remercie, Carlos, nos auditeurs vous remercient pour tout ce que vous avez fait apporter à l'Olympique de Marseille. Des années riches en titres, on a aimé vous voir représenter nos couleurs fièrement. Et j'avais envie de vous poser une dernière question, si vous me le permettez. Vous parliez tout à l'heure de notre boss, de Bernard Tapie, justement, qui était venu vous chercher à l'époque. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à son sujet qui vous a marqué ? Bon, je trouve que c'est un homme très spécial, très intelligent, il avait beaucoup de courage, dynamique. Je me rappelle d'un jour qu'on était ouvert sur le Prado, à l'Oporla, il y avait un match dans l'après-midi. Et on a été une heure pour sortir de l'hôtel qui était sur le port pour arriver au stade. Et j'ai interpellé, il a dit, Monsieur Tapie, pourquoi beaucoup de temps pour venir ici? Et il était en train d'organiser avant les flics avec les motos pour sortir avant dans le bus. On a fait des promenades pour tous les villages. Et tout le monde gardait le bouche. Qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, Carlos, au début, il n'y a rien. Mais après, tu vas voir. Après 3 mois, il a organisé quelques supporters pour être devant le stade. Il a payé une gratification, le supporter, pour attendre nous arriver. Et quand le bouche arrivait, il y avait des 40 supporters, tous euphoriques, devant le bus, et tout le monde regardait comme ça. Et petit à petit, ça remontait la friction, l'engagement du public avec l'équipe d'Olympique de Marseille. Donc, la vision qu'il avait avant était très, très bénéficiée, nous, sur le terrain. Parce que le stade, il est était toujours rempli et quand il n'était pas besoin de faire ses travaux, il m'a raccroché, il m'a dit, tu as vu Carlos, on a réussi.
Donc, il avait un cerveau par rapport aux autres qu'on 50 ans d'avance. Allez, la dernière question. Ouais, Carlos, c'était une légende de l'Olympique de Marseille. Le seul truc qui te manque, c'est la victoire en 91, malheureusement, contre l'Étoile Rouge. Quel souvenir t'en gardes et est-ce que c'est toujours un regret pour toi de ne pas avoir gagné la fameuse Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de l'OM? Bon, le plus important, c'était que Marseille était champion. À moi, je ne me regrette pas, j'ai rien qui me manque. À niveau du travail qu'on a développé à Marseille, je suis très heureux du soutien que jusqu'à maintenant, le public manifeste pour moi. La raison, parce qu'on était collectivement très, très costaud, très, très fort. On a tout donné sur le terrain et ça, c'est le plus important. La victoire, le défait, il fait partie du jeu. Mais je suis content parce qu'un an de plus, Marseille, il a réussi. Donc, ouais. Mes amis que j'ai travaillé avec, ils étaient la coupe définitivement. Et j'ai été commémoré avec eux au vélodrome et ça, c'est suffisant. Merci, Carlos. Tout à l'heure, j'ai demandé à Carlos, est-ce que tu te souviens combien de fois le PSG a gagné contre vous à cette époque? Zéro. Il n'a pas hésité. Il m'a dit « Neyum », ce qui signifie en portugais « zéro », aucune fois. C'était une autre époque. Effectivement, une autre époque. Merci, Carlos. Merci, Carlos. Merci, Maria. Vous avez fait de Marseille. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, Carlos. Et merci, Gilles, de nous avoir permis justement cette plaisir qu'il nous a fait. Ouais. On a passé un bon moment. On a parlé une bonne. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble et on refait un peu le monde, évidemment. On parle de la bonne époque, mais du football actuel aussi aujourd'hui. C'est très intéressant, on en parlera plus tranquillement lors de la prochaine émission, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes que ces anciennes gloires pourraient tellement nous apporter encore aujourd'hui, dans le présent et pour le futur du club. Malheureusement, ils ne sont pas toujours écoutés. On a eu la confirmation avec Paqueta. C'est vrai que Paqueta avait été indiqué par Carlos à cette époque-là et pas été écouté au sein du club olympien. Mais tellement d'autres choses à apporter à notre club, comme le font les anciens au Bayern, à Liverpool, dans les grands clubs, les grandes institutions, la Juventus. Malheureusement, c'est un peu ce qui manque toujours à l'OM et on le regrette un petit peu. Voilà. Gilles, prochaine fois que tu viens au stade, je veux le même chapeau quand même. Hein. Bon, t'es prêt, hein. C'est qu'ici, il fait très chaud. Hein. Ouais, brose un peu, par contre, tu manques encore de couleur. Ouais, je manque encore de couleur. Mais attends, encore une ou deux semaines, et puis je vais rattraper Carlos. Et une chose aussi très intéressante qu'il nous a dit tout à l'heure en discutant, il disait à l'époque, moi, je mettais la pression aux entraînements. Je jouais aux entraînements comme les matchs. Et quand il y avait certains joueurs un peu en dilettante qui nous disaient, oh, Carlos, tu devrais y aller doucement, parce que là, on s'entraîne. Il leur disait, non, toi, tu t'entraînes. Moi, je me prépare. Mais on s'entraîne. Non, non, toi, tu t'entraînes. Moi, je me prépare. Je me prépare pour dimanche. Là, je joue à l'entraînement comme je joue en match. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà, quand on a des mecs comme ça dans le groupe, c'est ce qui fait toute la différence. On ne peut jamais se relâcher et on est obligé de rester concentré et de donner le meilleur de soi-même. Et Carlos Moser, c'est un peu l'archétype du profil qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Il fallait qu'il faudra. Exactement. Ce genre de personnage qu'il faut. Et vous avez parlé un petit peu de l'entraîneur, Paoli, qu'il a dû facilement côtoyer. On en parlera une prochaine fois. On en a un petit peu parlé, mais. Ça marche. Okay. Il y a du off. On en discutera. Les amis, je vais vous laisser. Je vous laisse terminer. Merci Gilles, merci beaucoup. Allez, on se dit à bientôt et puis on débriefera tout ça tranquillement. Avec plaisir. Okay. Et bien, à bientôt Gilles, merci pour ton attention. Allez Gilles. Allez. Voilà, on est assis ici entre amis et on dit au revoir. Au revoir à tous. Ah, on va vous montrer un petit quelque chose, regardez. Ah. Parce que même ici… Aïe, aïe, aïe. On présente l'institution olympique de Marseille, allez l'OM. Seule qu'elle est toi, là. La seule étoile, voilà. Effectivement. Partout, c'est chez nous.
Partout, les gars. Exactement. Bonne fin de vous pouvez ressortir les verres, c'est beau. À bientôt. Ciao. Ciao. Bien, vous comprenez certainement le sens de mon introduction tout à l'heure, les amis. Carlos Moser en direct, enfin, je ne sais pas si… c'est énorme. Pour, ouais, c'est énorme pour les plus anciens. Que ma jeunesse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, ma jeunesse. Oui, ouais, exactement, d'avoir pu parler, ne serait-ce qu'un petit peu, et avoir Carlos Moser parmi nous. J'en reviens pas, mais c'était tout le sens de mon introduction tout à l'heure, les amis. C'est une première, ça n'est pas la dernière. Il y a eu Carlos Moser, vous aurez d'autres surprises de la part de SportMed. Alors, continuez de vous abonner, hein. C'est vrai que je ne le dis pas assez, sur tous nos supports. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour être au fait de tout. On va continuer à vous proposer des choses intéressantes chez SportMed. Et on remercie Gilles vraiment pour de nous avoir permis de vivre ce moment. Alors, on va essayer de basculer gentiment sur ce match contre Nice, match qui va falloir aborder comme Carlos Moser l'aurait fait, c'est-à-dire en y mettant de la passion et en y allant physiquement, en y mettant de la concentration, de la préparation. Voilà un petit peu tout ce que Gilles nous disait de notre numéro 4 de l'époque, hein, Carlos Moser. Pour parler un petit peu des absents côté olympien, visiblement il n'y en aura pas, même si le groupe, je crois, n'est pas encore sorti. On sait que Nice va devoir se passer de. Il est tombé. Je crois qu'il y a juste Conrad qui n'est pas dans le groupe. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, je peux te l'envoyer si tu veux. Ah bah, je veux bien, s'il te plaît, merci. Je vais essayer de te l'envoyer. Ça marche, merci. On a Dante qui sera absent côté niçois, ce qui n'est pas négligeable. Alors, côté statistique, hein, brièvement, c'est vrai qu'en termes de buts marqués, 43 pour les Olympiens et 38 pour les Niçois. Par contre, les Niçois qui ont le bénéfice d'avoir la meilleure défense du championnat avec 21 buts encaissés, si je ne dis pas de bêtises. 26 pour l'Olympique de Marseille. Nice qui reste malgré tout en championnat sur un match nul contre Montpellier, si je ne dis pas. Alors, c'est vrai qu'il a l'importance du résultat contre cette équipe de Nice, c'est aussi que Nice a déjà joué le PSG. Alors, messieurs, vous avez eu des débats intéressants tout à l'heure. J'espère que vous allez pouvoir nous gratifier du même son de cloche concernant cette affiche entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Est-ce que vous pensez que c'est le match qui va valoir cher pour cette fin de saison? Allez, on commence par Renaud. C'est le premier de tous les matchs qui va valoir cher. Parce qu'on a un sacré calendrier, je crois. Voilà, on va à Saint-Étienne, on reçoit Montpellier, on va à Paris, Nantes. On a une fin de saison assez gratinée quand même. Donc, ouais, c'est une première finale, on va dire. Ouais. Alors, je crois que là, vous avez notre as de la technique qui vous affiche justement le calendrier de l'OM. Je crois que Nice a un calendrier qui est pas simple non plus. C'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur celui de Rennes également. Yannick, toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette affiche de demain? On se rappelle, et c'est un peu ce qu'a souligné Dimitri Payet en conférence de presse, le match en lui-même, il va falloir le jouer et le gagner. Mais finalement, si on reprend un peu ce qui s'est passé en Coupe de France, et c'est ce qu'il a dit, ce qui a été le plus difficile à digérer, c'est la suite. Et donc, c'est là où il y a peut-être une importance à gagner ce match-là, parce que c'est vrai qu'après cette défaite en Coupe de France, l'Olympique de Marseille a eu des situations assez difficiles. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche, Yannick? Ben, de toute façon, on n'a plus de joker. On les a grillés contre des clubs qu'on ne s'attendait pas, comme à domicile contre Clermont, comme à Troyes où on se fait rattraper à la fin de match. Donc ça, c'était des jokers qu'on aurait pu garder dans la manche pour la fin. Et là, on n'en a plus globalement, parce que tout le monde est… Enfin, il y a trois clubs qui sont revenus, donc c'est-à-dire Nice, Rennes et un peu derrière Strasbourg. Bon, je ne sais pas si Strasbourg tiendra, mais ils sont là en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ça va se jouer pour moi. Le podium va se jouer. Il y a deux places pour trois clubs pour moi. Et donc là, on n'a plus de joker. Donc il va falloir avancer. Et pour avancer, il faut gagner. Donc gagner à domicile enfin, parce que cette saison, on est sevré de victoires à domicile et on est sevré de jeux. Quand tu es abonné au stade ou même que tu es sympathisant de l'OM, tu regardes à la télé. Au stade Vélodrome, on doit être une forteresse imprenable. Et c'est loin d'être le cas cette saison. Donc il faut un peu redorer le blason à domicile. Et pour redorer le blason, quoi de mieux que cette équipe de Nice, avec tout ce qu'il y a eu au match aller, cette défaite en Coupe de France et cette rivalité qui prend de l'ampleur cette saison avec tous les événements.
même si ça a toujours été un rival, Nice, ça a toujours été un rival historique. Mais là, cette saison, par-dessus tout, ils sont ex aequo avec nous. Ils viennent en tant que club ex aequo pour jouer le podium. Donc, c'est un gros match. Et ce gros match, on doit le gagner. Et derrière, on peut derrière enchaîner une grosse série parce qu'il faut de la confiance et il ne faut absolument pas le perdre. Et Romain, Nice repartira de là avec une confiance monstrueuse et je pense s'évadera au classement. Et nous, il va falloir absolument le gagner. On sera 64 500, il me semble. Donc c'est record d'affluence. Il va avoir un avant-match de folie. Et on espère que notre équipe va jouer et va faire un gros match pour que l'ambiance soit extraordinaire, quoi. Arilès, Renaud, on a Yannick qui nous dit qu'il faut absolument le gagner. J'avais une question justement pour vous, pour y répondre. Vous pourriez vous satisfaire du match nul contre l'OGC Nice demain? Allez, on commence par Arilès. Moi, je vais faire mon capitaine obvious. Je le dis, hein, mais comptablement, chaque match a la même valeur. Symboliquement, c'est très différent. Évidemment que au vu du calendrier que tu as sur la fin de saison, tu as beaucoup de chocs et tu as d'autres matchs symboliques. Mais ce match, il a une saveur particulière parce qu'il y a eu des événements au mois d'août, il y a eu des événements au mois de septembre devant la LFP. Il y a une institution qui a pris un peu cher par un tout petit club de Côte d'Azur que moi je respecte pas du tout au vu de l'histoire qu'ils ont et même l'attitude de certains de leurs supporters. Cependant, c'est un club qui a une grosse équipe cette saison, qui est une équipe qui tourne pas mal, qui a le meilleur entraîneur français sur son banc. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé en août, quand tu regardes les dynamiques actuelles, même si tu sais que c'est une équipe qui est très bonne dans les gros matchs et qui adore ces matchs-là parce qu'ils viennent poser le bus et ils tuent en transition, pour moi c'est victoire obligatoire parce que quand tu t'es fait humilier symboliquement, quand tu t'es fait humilier sportivement en Coupe de France, même si tu t'es sabordé dans ton organisation tactique, victoire obligatoire, pas de match nul, pas de défaite, c'est victoire obligatoire et sans être encore arrogant, faut être ambitieux, comme ça a été dit précédemment par Yannick, je crois. Tu es devant un vélodrome où il y a 65 000 personnes. Même si c'est un OGC Nice qui est fort cette saison, ça reste l'OGC Nice. Ça reste une équipe assez jeune. Ça reste une équipe qui ne connaît pas habituellement une adversité telle, que ce soit sportivement ou même en termes d'ambiance avec un stade vélodrome plein. Et donc, moi, c'est pas on doit simplement les gagner. Pour moi, on doit les couler. C'est un match qui est aussi un match à 4 points. Ça a été dit en conférence de presse par un des journalistes. Vu que la différence de but est identique, si tu gagnes, tu prends un peu plus de marge, sachant que c'est pas une équipe qui marque énormément de buts. Donc tu peux leur mettre 4 points. Derrière, ta saison, elle change complètement parce que tu confirmes le fait que tu te sois relancé. Et eux, ils iront à Rennes. Et ça peut-être aussi s'effondrer. Ils peuvent aussi connaître leur première crise de la saison. Donc moi, je veux la victoire ou rien. Et je veux la victoire avec la manière surtout. Et je veux que l'imposture de Christophe Galtier en Ligue 1 s'arrête aussi. Si c'est Merci, Arnaud. Rebondir. Posture. Renaud. Oui, pardon. Vas-y pour rebondir. Oui, victoire obligatoire, bien sûr, si on veut continuer à aller loin dans ce championnat. Maintenant, ça va être difficile. On va voir si Sampaoli continue sur ce schéma-là ou s'il a décidé encore d'être farfelu. Mais je pense que le plus gros adversaire demain, c'est quand même nous. Mm-hmm. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Comme à chaque fois. Ouais. Donc, oui, effectivement, victoire obligatoire, parce qu'après, il y aura Rennes. Moi, j'ai beaucoup plus peur de Rennes dans ce championnat que de Nice. Voilà. Ouais. Ok. Après, je ne sais pas, Lille, s'ils sont largués ou pas, mais bon, ils ne sont pas. Il y a plein d'équipes qui peuvent nous passer devant. C'est à nous d'assurer, quoi. Ouais, mais demain, regarde, enfin, après, il ne faut pas se projeter, mais. Si tu fais une petite projection, je crois que le prochain match, c'est ce qu'il dit, Nice se déplace à Rennes, c'est ça? Ouais, là, au retour de trêve. Ok, et nous, le prochain match après, ça, c'est en bas où, nous? Nous, je crois que c'est Saint-Etienne ou Montpellier, je ne sais plus trop. Saint-Etienne, je crois, mais à vérifier. Donc, dans l'optique que tu gagnes demain, tu mettrais, c'est toujours tout relatif, hein, tu mettrais 3 points d'avance à Nice et derrière, eux se déplacent chez Rennes. Donc, On peut en deux matchs récupérer ce petit matelas confortable qu'on avait il y a quelques temps et qu'on a vite perdu avec des non-matchs contre des équipes largement à notre portée.
Donc du coup, ça serait intéressant demain. Mais de toute façon, il faut absolument le gagner parce que si tu veux encore espérer le podium, je pense qu'il faut, il faut absolument gagner ce match. Là, il y a plus de peut-être on reviendra, etc. Là, il faut le gagner. Il faut devant le au Stade Vélodrome, il faut enfin qu'on enchaîne les victoires. Et derrière, on peut potentiellement avec la double confrontation de Rennes et de Nice, on peut pourquoi pas en enchaînant derrière. Récupérer un bon petit matelas qui peut nous permettre justement, de, comme on disait tout à l'heure, de cette Coupe d'Europe, de la voir venir plus sereinement. Mm-hmm. Donc ça serait intéressant demain de gagner et je pense que de toute façon, il n'y a pas d'arrangement, c'est victoire absolue. Victoire obligatoire. Voilà. Victoire obligatoire. Tu peux garder la parole, Yannick, s'il te plaît. Côté supporter, donc, tu n'as pas peur que ça déborde justement ce match-là, comme ça avait pu être le cas selon la tournure des... Ah, ben. Événement. Ça va être chaud comme les gros matchs. Après, je pense déjà il y a pas de niçois et bon, ça va être tendu. Hein. Alors il y aura toujours des gens qui sont un peu qui ont pas de cerveau, qui vont peut-être tirer des choses. Mais je pense que les groupes de supporters vont faire un gros travail d'avant-match. Je l'ai déjà vu faire à plusieurs reprises cette saison, contre Paris notamment. Il va y avoir une grosse prise de conscience. Je pense qu'ils vont faire une grosse mise au point avant le match. Et après, on n'est pas à l'abri d'un dégénéré ou de deux, trois dégénérés qui vont tirer des choses. Ça, forcément, il y en aura. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut absolument pas qu'un joueur soit touché de Nice, parce que il fera ce qu'il aura à faire, c'est-à-dire il restera par terre et il fera le même topo qu'au match aller. C'est ça le problème. Donc on espère qu'il n'y aura pas des dégénérés qui demain soir et qu'il y aura des gens intelligents. Parce que pour donner une bonne image, voilà, on a une ambiance chaude, on est des sudistes, on se laisse pas faire, mais il y a des matchs où il faut être chaud et intelligent. Et demain, c'est le moment de montrer qu'on est chaud et intelligent. Quoi. Et côté OM, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Pas que sur ce match-là. On voit qu'il y a des filets qui sont pendus sur les corners quand ils sont tirés par l'adversaire. Donc, je pense que le dispositif habituel, il y a des chances qu'il soit renforcé aussi. Parce que tu le disais à juste titre, les groupes de supporters font ce qu'il faut, mais on n'est pas à l'habitude de voir sur les tribunes latérales des supporters faire ça de manière individuelle. Et, ça c'est clair. Hein. C'est clair. C'est tout le danger de ce genre de match. En tout cas, on aura besoin de nos supporters sur ce match-là. On sait qu'on va accueillir les Niçois dans une ambiance dantesque. Ça va être magnifique à mon avis. Et donc, j'espère que pour le spectacle et pour le bien de l'Olympique de Marseille, que tout va bien se passer. J'enchaîne, messieurs et mesdames, pour celles qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on a eu cette belle aparté avec Carlos Moser, et malheureusement, pour la suite du programme, il faut que j'essaie d'analyser la suite de ce que nous souhaitions vous proposer. Est-ce que vous ne pensez pas que Sampaoli nous doit une revanche contre cette équipe de Nice, Renaud? Sampaoli nous doit une revanche sur beaucoup d'équipes, mais pas particulièrement. Mais bon, Nice, non, mais de toute façon, il faut le gagner ce match. Donc, moi, je souhaite que Sampaoli ne bouge plus maintenant, voilà, qui continue sur ce qu'on fait depuis 3-4 matchs et advienne que pourra. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Si continue à faire ce qu'il nous faisait depuis le début de saison, c'est pas possible. On ne pourra pas tenir. Là maintenant, il a un schéma, il a pas une équipe type, mais en tout cas un schéma qui a l'air de se dessiner. Il faut rester sur ça. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air. Voilà. Mais une revanche, pas plus sur ce match que sur d'autres, je pense. On a lu ce qui nous dit. Sampaoli, il faut surtout qu'il nous montre qu'il est capable de gagner un match important et décisif. Oui. Comment dirais-je, la question a été posée justement à Dimitri Payet sur une revanche éventuelle sur les incidents ou sur l'obligation de consolider la deuxième place. Ariès, t'en penses quoi, toi? Les incidents de Nice, de toute façon, c'est derrière nous. On avait l'occasion de le faire sur ce match de Coupe de France, ça ne l'a pas été fait. Donc là, le but du jeu, c'est de se concentrer sur le terrain et l'optique de cette deuxième place, non? Bah, plus généralement, oui, il y a une dimension particulière. Dimitri Payet, il peut dire qu'il a oublié ce qui s'est passé en août. Moi, je le pense pas. Moi, après, quand on voit la prestation collective, même si on s'est sabordé, comme je l'ai dit précédemment, sur le quart de Coupe de France,
On peut se demander si la dignité de nos joueurs n'avait pas été remise en question, parce que quand tu te prends une bouteille, tu subis un envahissement de terrain, derrière ça se passe mal avec la LFP et que tu arrives à en prendre 4 à Nice, c'est assez difficile. Mais je pense au-delà de ça, pour Sampaoli, c'est aussi un coach qui a, même si ça fait pas longtemps qu'il est à l'OM, qui a déjà affronté Nice déjà 3 fois, qui a un certain passif avec cette équipe, vu qu'il a pris 2 gifles, 1-3-0 sur ses débuts là-bas, et on s'était fait humilier par Khéphren Thuram, le 4-1 en Coupe de France, et puis une autre humiliation qui n'est pas une humiliation sportive. Non, je crois que c'est 4 fois en plus, il y avait le match à rejouer où tu fais 1-1, mais c'était moins intéressant. Mais oui, il y a évidemment un sentiment de revanche, et qui normalement doit t'aider au-delà de ce dont vous avez parlé là avec les supporters, où ça peut dégénérer, doit t'aider sportivement. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure au niveau de la revanche sportive. J'ai vu un commentaire où, parce que j'avais dit tout à l'heure l'impôt sur Christophe Galtier, c'est parce que tactiquement Galtier c'est aussi un entraîneur aussi pour Sampaoli dans ce défi-là, qui est clairement son opposé, qui a les cheat codes de la Ligue 1, qui joue en 4-4-2, qui est ligne resserrée. Et là où on a vu les limites de Galtier en Coupe d'Europe, c'est sur le style de jeu de Sampaoli, c'est sur des attaques placées. Donc il y a aussi cette revanche à prendre tactique en battant Nice que sur des attaques placées, et c'est le point faible de Galtier. Je voudrais qu'on remercie Renaud d'avoir partagé cette émission avec nous. Il doit nous quitter malheureusement, mais merci à toi pour la qualité de tes interventions. C'était un plaisir et j'espère que nous te retrouverons parmi nous. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir reçu et à bientôt pour la chenille. Hein. Ouais. Allez Renaud, ça va. On prend le défi. Allez. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonsoir à toi. Merci, à bientôt. Au revoir. Et Yannick, je reviens un petit peu vers toi. On avait vu Galtier, tiens, puisqu'il était question de coaching avant sur l'intervention d'Ariles, qui avait tenté quelque chose avec Kluivert, qu'il avait mis de mémoire sur Luan Pérez, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, personnellement, j'espère qu'on ne le verra plus, Luan Pérez. En tout cas, pas sur ce match-là, parce qu'il est souvent en difficulté dès l'instant où il y a de la vitesse et de la profondeur à son niveau. Tu penses qu'il doit tenter quelque chose de particulier, Sampaoli? Est-ce que toi, tu as une idée qui te vient en tête, quelque chose qui devrait être fait ou mis en place par l'entraîneur? Continue ce qu'il fait, continue ce qu'on voit depuis 3 matchs, c'est-à-dire plus de verticalité. Moi, c'est surtout l'animation qui me dérange jusqu'à maintenant, parce que l'animation, c'est le coach qui la dicte. Et depuis 3 matchs, on a beaucoup plus de verticalité, on fait moins de passes de droite à gauche et de gauche à droite. Donc je pense que ça, il en a eu assez, parce qu'il a été vachement critiqué sur ça, et par tout le monde. Donc tout le monde voyait bien les mêmes matchs, même lui, je pense. Et donc du coup, je pense qu'il a ou modifié, ou je te dis, ou alors il y a eu une prise de conscience ou une prise de position des joueurs, qu'on dit stop avec ce système-là, enfin, cette animation-là. Donc du coup, si on continue, qu'on continue comme on fait depuis 3 matchs, à jouer, à plus jouer au football, et à moins déjouer avec ses passes latérales. Et je pense qu'on pourra faire un bon match. Après, c'est un match de football, donc du moment que nous, on joue au ballon et qu'on sort de là en se disant « bon, on a fait un grand match », voilà, c'est sûr qu'on espère tous la victoire, mais déjà faire un bon match, voir un bon match de football de notre équipe, ça serait déjà bien. Mais bon, après, voilà, tu parles du classement, des événements, etc. Mais on oublie souvent de répéter encore et encore une fois qu'on a, un groupe jeune, mais on a aussi des dirigeants qui sont jeunes. Parce que normalement, le match de Nice, on ne doit jamais le rejouer. Le match de Lyon, on ne doit jamais le rejouer. Et au final, eh ben, ça nous fait 1 point sur 6. Donc potentiellement 5 points de plus en championnat, et on va me dire oui, mais potentiellement, mais réellement on doit avoir 5 points de plus en championnat actuellement, parce que ces deux matchs-là, c'est impensable de les avoir rejoués et d'avoir eu des dirigeants qui ont dit amen au fait de rejouer ces matchs. Donc c'est là aussi que tout à l'heure on discutait qu'on avait un groupe jeune, mais on a aussi des dirigeants qui sont jeunes et qui n'ont pas pris encore bien la mesure de ce qu'était l'Olympique de Marseille et ce qu'était leur place, hein. Peut-être, oui, clairement. Mais il faudrait quand même qu'à l'avenir, il y ait un président qui tape du poing sur la table, et que si des choses comme ça se représentent, on n'est pas à rejouer ces matchs-là, parce que c'est inadmissible d'avoir rejoué ces matchs-là, et en fin de saison, on n'oubliera pas que ces 5 mois peut-être nous manqueront. Voilà. Exactement, mais malheureusement, on n'est pas Pape Diouf qui veut.
ou qui peut, pour le coup. Je ne suis pas sûr que les choses se soient passées de la même manière avec lui. On va accueillir Fla, notre ami Narit, justement, de chez SportMed. ouais, je ne suis pas sûr de celle-ci. Hein. Super sub, technique, c'est tout ce qu'on te demande. Ça va? Ben, ça va, merci. Et c'était un vrai plaisir tout à l'heure d'écouter Carlos Moser. J'ai vu tes yeux d'enfant briller comme un... Ah bah tu attends, un petit à Disney. Je suis encore plein d'émotions. Je sais pas si, enfin pour les plus anciens, mais attends c'est. Non mais moi j'étais, enfin je tenais pas en place derrière, donc j'imagine pas toi. Ouais, des yeux d'enfant, c'est, enfin j'en reviens pas, c'est Carlos Moser quoi. C'est, ah ouais, non, putain, c'est mes premiers matchs au Vélodrome et c'est ouf. Incroyable, incroyable. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Il faut que je reste dans mon match, hein, qui est solide. Exactement. Ne laisse pas les émotions te submerger, c'est ça. Exactement, cette émission. Et je reviens un petit peu sur le terrain. Je pense que j'ai cru voir, alors l'avenir nous dira si, l'avenir proche, puisque c'est demain, nous dira si j'ai raison, je crois qu'Amavi va être titulaire. Et pour moi, le coup qui a été fait avec Luyverte par Galtier, il faut le tenter sur le couloir d'Amavi, parce que s'il est titulaire, je ne mise pas sur le fait qu'il soit mauvais parce que je pense que pour le coup, il va être bon contre nous. Mais même en étant bon, on connaît ses lacunes et on sait qu'il a du mal quand il a de la vitesse et de la profondeur dans son dos. Et pour moi, le coup qui doit être tenté par Jorge Sampaoli demain, c'est celui-là. C'est de mettre quelqu'un qui va aller vite dans son dos, qui va savoir prendre les espaces et qui va le mettre en difficulté. Ah bah c'est Under. C'est Under qui a ce poste-là, normalement. C'est Under, mais pour en avoir discuté avec Small, il pourra agir... pour le coup, Sampaoli qui est un peu adepte des décisions particulières. Par moment, tu vois, moi, j'aurais Under, je l'aurais mis à gauche et j'aurais mis Bakambu à droite avec Milik dans l'axe pour pouvoir justement mettre de la vitesse sur ce côté-là et des centres, pour le coup, puisque c'est ce qui manque par moment à notre avant-centre. Donc, je pense qu'un coup de cette nature-là pourrait être intéressant pour l'OM. Ouais, moi, je mettrais bien Under comme il est d'habitude, c'est là où il est performant. Ouais. Et par contre, l'autre côté, je mettrais bien le petit Dieng là pour apporter de la vitesse, comme tu dis, et de la percussion et Milik dans l'axe, quoi, dans un 4-3-3 ou enfin bref, un peu comme il veut devant, il articule comme il veut, mais disons devant, j'aimerais bien ouais, deux pistons, Under et comment ça s'appelle et Dieng et ouais et devant mettre Milik quoi, je sais pas. Small, toi de ton côté. Petit souci avec une, ouais le petit problème avec Under, enfin que j'aime beaucoup, hein, mais c'est qu'il repique beaucoup dans l'axe. Et donc au final, il risque du coup de libérer du poids sur, enfin d'Amavi. Et je pense que faut absolument, enfin comme on dit, tirer sur l'ambulance quoi. Faut vraiment qu'on mette le paquet sur Amavi parce qu'on sait qu'il va craquer. Et qu'en plus de ça, il sera dans un vélodrome plein. Alors même s'il aura un désir de revanche, il a un gros problème de repositionnement quand il est pris dans son dos. Enfin comme l'a dit Romain tout à l'heure. Et moi je suis d'accord avec lui. Il faut absolument que l'ailier droit qu'on ait face à lui mord la ligne et ne repique pas en fait, qu'il reste à droite et qu'il le fasse chier mais tout le temps, qu'il lui fasse faire l'essuie-glace, comme ça au bout de 60 minutes il est capoute et merci au revoir quoi. Ouais, il y a aussi le retour de Payet, on oublie mais ah, c'est dommage qu'il n'était pas là. Yannick, tiens ça tombe très bien, ma prochaine question était la suivante, Payet de retour ça change quoi? Alors vas-y, devancer, je t'écoute. Eh ben écoute moi Payet déjà il a eu deux matchs pour se reposer, on espère qu'il va revenir à un bon niveau parce que ces derniers temps c'était pas ça dans les centres, c'était un peu brouillon, c'était donc on espère que ces deux matchs de repos lui ont fait du bien et c'est demain qu'on l'attend quoi dans un grand match, on attend vraiment de le voir à un top niveau mais j'espère qu'il sera positionné derrière l'attaquant quoi, c'est là où il est le meilleur, c'est là où il est le plus productif, si c'est pour le mettre sur le côté gauche on est en piston ça va être compliqué. Alors on est voilà, moi j'espère qu'il va jouer avec deux pistons et un attaquant et vrai 10. Alors c'est sûr que bon voilà, il va falloir faire du repli défensif mais cette équipe de Nice elle joue pas mal derrière et elle contre. Donc il va falloir faire nous le jeu et pour faire le jeu, il va falloir les percuter quoi, il va falloir rentrer dedans. Donc il faut mettre du poids devant et de la vitesse. Et moi je te dis si tu mets Payet en 10 dans un stade de vélodrome bouillant. En général, quand c'est bouillant, il est bien. Et quand c'est... En plus, il a une revanche à prendre sur le match aller où c'est lui qui prend la bouteille. Et je ne veux pas trop m'avancer, mais en général, quand il est chaud comme ça, là, sur des revanches, il est plutôt bon. On l'a vu à l'époque contre Lyon où il avait tangé Garcia. Et derrière, il a mis un super doublé. Il avait fait un match monstrueux au Vélodrome. Donc en général, il répond présent dans ce style de match où il y a pas mal d'animosité. Donc on espère que demain il répondra présent et qu'il sera vraiment à son positionnement
préférentiel, c'est-à-dire numéro 10. Quoi. On l'espère également. Je voudrais juste revenir sur ce que nous dit Chacha91. Under ne dédouble jamais avec Lirola, c'est extrêmement frustrant. Et pour revenir sur notre, sur notre analyse précédente, Small, il y a aussi Coppers Galfano qui nous fait remarquer que les latéraux de Nice ne vont pas forcément monter. C'est vrai que c'est un critère qu'il faut peut-être prendre aussi. À ma vie, il revient en défense centrale quand ils ont le ballon. Il passe à 3 derrière, du coup, à ma vie, il ne monte pas du tout. Mais par contre, pour revenir sur cette analyse-là et rester sur à ma vie, Ariès, et tu me reprendras si tu trouves que j'ai tort, c'est vrai que à force de répéter des erreurs sur certains matchs, on l'a vu aussi perdre ses moyens facilement. Et je pense qu'il va peut-être y avoir une carte à jouer aussi sur sur l'esprit de ce match-là. Et je suis persuadé que les Niçois, on peut en faire sortir quelques-uns de leur match. Hein. Il y a, tout à l'heure, tu l'avais signifié toi-même, il y a Thuram auquel il va falloir faire extrêmement attention. Très bon, très très bon. Après, sur Kefren Thuram, il avait sorti des gros matchs quand il n'y avait pas Camara sur le terrain. On l'a vu contre Monaco, sans le voir trop beau. Camara, il est capable de t'éteindre un milieu de terrain à lui tout seul. Donc, je pense qu'il aura aussi cette adversité face à lui qu'il n'avait pas sur le match de Coupe de France. Mais juste pour revenir sur ce qui se disait là avec Under et Lirola, oui. Sur le fait que Under ne dédouble jamais avec Lirola, il faut voir les appels que fait l'Espagnol. Je pense que Chacha fait référence à la passe à l'intérieur qui devait lui faire contre-balle. Les appels de Lirola sont souvent très mauvais, mais comme les prestations générales de l'Espagnol depuis un certain temps. Et logiquement, contre Nice, il ne sera pas sur le terrain, ce sera Valentin Rongier, et ce sera meilleur pour l'Olympique de Marseille, je pense, parce que même s'il y en a un qui est latéral droit de base, tu as beaucoup plus t'es beaucoup plus rassuré et t'as beaucoup plus d'assurance avec Valentin Rongier sur le côté droit. Qui en plus vient de marquer un but, donc qui est enfin en confiance, parce que le but qu'il a mis contre Bâle, ça faisait un bail qu'on l'attendait, tu vois. Et même pour ça va être aussi l'enjeu de ce match, parce que tu parlais de Kefren Thuram, Romain, va falloir tuer les transitions niçoises, parce que si ça part vite, avec l'œil vert et Guiri, et là où un Lirola lui colle sa ligne quand t'as plus le ballon, Rongier, Camara et Guendouzi, ça va être les premiers au pressing, et dès que les Niçois qui joueront en bloc bas vont devoir ressortir le ballon, il faut que ça presse un maximum et que ça... Et on l'a très bien fait à Lens, par exemple. L'a très bien fait à Lens. On l'a pas bien fait face à Lyon, parce que je crois qu'il n'y avait pas Rongier. Et c'est là où Rongier t'avait manqué, mais normalement, le tandem Rongier, Camara et peut-être aussi Guendouzi, ça va être eux de faire le sale boulot sur ces phases-là et de venir rapidement, en quelques secondes, récupérer le ballon. Parce que si Nice enclenche les transitions rapidement, derrière, ça peut faire très mal quand tu connais peut-être le fait que Kolasinac, tu sais peut-être que Kolasinac fait pas forcément ses retours défensifs très rapidement. Ouais. En tout cas, je trouve, moi, personnellement, que l'esprit que doit aborder l'Olympique de Marseille avant ce match-là est là. Il y a quand même une petite dizaine de jours, je pense que j'aurais abordé ce match avec beaucoup moins de sérénité. Et moi, il y a cette analyse de Dimitri Payet. Yannick, je vais revenir vers toi parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Dimitri Payet, et c'est toi qui avais la parole à ce moment-là. Il nous a dit « Tant que l'équipe gagne, je peux aller m'asseoir sur le banc ». Je l'ai senti sincère, moi, lorsqu'il a dit ça. Je ne suis pas persuadé que c'est un Dimitri Payet d'il y a 3-4 ans qu'on aurait pu entendre ça. Alors évidemment, je ne lui souhaite pas d'aller sur le banc parce qu'on connaît ses qualités, on a besoin de lui. Mais je parlais d'esprit. Est-ce que tu ne trouves pas que l'esprit général de cette équipe, quand bien même l'effectif serait jeune, est présent actuellement ? Il y a peut-être eu une remise en question, peut-être eu, comme disait tout à l'heure sur le chat certains, un abcès qui a été percé, il y avait peut-être des soucis... Il y a peut-être des têtes qui ont dégonflé, mais bon, voilà, après, cette sortie médiatique, elle vaut ce qu'elle vaut. Est-ce que c'est sincère ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, Payet, jusqu'à maintenant, il a souvent été dans des histoires de vestiaire, à juste titre ou pas, on n'en sait rien, on n'est pas dans la vie de groupe. C'est quelqu'un qui a un gros caractère, donc je ne pense pas qu'être sur le banc jusqu'à la fin de la saison lui plairait quand même. Donc, voilà, après, il va peut-être dans le sens d'un renouveau d'état d'esprit, peut-être dans des discussions qu'ils ont eues avec le groupe, où ils ont tout remis à plat. Et maintenant, peut-être qu'ils sont partis sur une fin de saison un peu en mode guerrier, où il y a un état d'esprit, j'espère, irréprochable, et où tout le monde joue le jeu et tire dans le même sens. On espère ça. Hein. Donc, on espère que cette sortie médiatique est dans ce sens-là, quoi. Je veux juste rebondir sur le message de Dark Cities, que je voulais dire exactement la même chose que lui et j'avais peur de me faire taper dessus, donc je suis content que quelqu'un d'autre pense ça aussi. Ouais, mais il a raison. Moi, je trouve que c'est ce que je voulais dire, c'est que le match contre Bâle,
Enfin, le dernier match qu'on a fait sans Payet, on a été nettement plus rapide dans la projection, notamment dans les phases de transition offensive, quand il fallait vite se projeter. Mais ça allait tellement plus vite. Et je trouve que Payet, parfois, a ce côté un peu Neymar de trop vouloir toucher la balle, de trop vouloir provoquer la faute, de trop vouloir faire un peu de spectacle totalement inutile, alors que s'il décale tout de suite, alors ok, ça fait une faute de moins, donc potentiellement un carton jaune de moins, mais tu crées un surnombre sur le côté ou dans l'axe qui peut tout de suite être très dangereux. Et je ne sais pas si c'est lui qui veut toucher la balle ou si c'est parce qu'il ne voit pas. Il y a aussi sa condition physique, je pense. Je pense qu'il y a aussi la condition physique. Ouais, mais justement, si pour moi et qu'il fait plus de passes, tu vois, théoriquement, c'est mieux pour lui, quoi, tu vois. C'est un petit peu de tout. Il y a son utilisation où il a été beaucoup utilisé à gauche. Moi, malheureusement, je pense qu'il faut lui laisser une certaine liberté créative. Il faut lui laisser jouer dans ce fameux triangle derrière les deux attaquants. En pointe jusqu'au rond sans poil, il ne doit pas bouger de là pour moi, parce que c'est bon, c'est sur la dernière passe, c'est sur ou l'avant-dernière passe aussi, comme ça a été le cas de Gerson par exemple sur ce but de Rongier. Il est capable de fulgurance. Mais tu vois, Gerson, là, à l'inverse de Payet, il la donne très vite. Tu vois. Oui. Il la donne tout de suite. Gerson, très bien, très bonne analyse. On a vu ce tweet, je pense que Yannick a dû le voir passer aussi, je crois que c'était Alexandre Jacquin qui avait mis ça. Il avait mis un tweet dans lequel il expliquait grosso modo que les trois n'arrivaient pas à s'entendre sur le terrain. C'est quoi la solution pour pouvoir les faire cohabiter, ces trois-là? Parce qu'on peut difficilement se passer ne serait-ce que l'un d'entre eux. Moi, je pense que l'analyse d'Alexandre Jacquin, elle est compréhensible du fait que là, on parlait de Payet et de son positionnement là, qui devait être un peu un maestro libre sur le terrain. Gerson, il a une énorme influence sur le côté gauche parce que, si je dis pas de bêtises, il est gaucher déjà d'une. Mais vu que c'est un milieu de terrain qui aime prendre les espaces et qui va jouer sur une certaine partie du terrain dans le demi-espace gauche ou sur l'aile gauche, Payet, lui, il est droitier et lui, il a plus un style à rentrer à l'intérieur. Du coup, c'est pour ça que lui aussi va à gauche. Donc, tu as déjà une sorte d'embouteillage entre les deux et tu as personne au final qui tourne autour de Milik. Donc, cette analyse, elle est compréhensible. Et c'est vrai que c'est un véritable problème là où un Amin Harit, lui... et c'est là aussi où ça rentre dans le thème du fait que le ballon va, enfin qu'on remonte plus vite avec Amin Harit. Amin Harit, lui, peut jouer à droite et enfin peut dézoner un peu partout sur le terrain. Là où Payet, lui, va toujours vouloir avoir son pied droit et repiquer dans l'axe. Et Amin Harit à Brest, par exemple, où il a été très très bon. Il a énormément joué avec Milik en une touche de balle, en une deux, etc. Il a beaucoup cherché dans ce positionnement en 10. Il avait cassé les lignes. Techniquement, il est capable de fulgurance lui aussi. Donc, il est capable d'un coup de te mettre en bonne position. Et c'est là que j'en reviens, parce que ça fait 3-4 matchs qu'on voit ça. Et avant, on ne voyait pas ça. Alors, est-ce que demain, on va voir si Payet normalement sera titulaire. Et si on continue dans cette animation-là, peut-être que Payet va faire les mêmes efforts que Harit et les mêmes prestations dans ce positionnement-là, parce que j'ai l'impression que j'espère que Payet sera en 10 derrière l'attaquant. Et après, voilà, on sait que Payet, c'est sa carrière qui est comme ça, quoi. C'est un joueur de fulgurance, c'est un joueur qui n'arrive pas à être constant sur une saison complète, sinon il ne serait pas à l'OM, il serait beaucoup plus haut que ça. C'est un joueur qui est capable de faire des coups de génie phénoménal, quoi. C'est un joueur de highlights. Ah ouais, il a une qualité, il a une qualité footballistique qui est hors norme, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à répéter ça sur une saison complète et sur être constant. C'est un joueur de coup, et on espère que demain il le sera dans le coup pour nous faire gagner ce match, parce que si Payet est dans le coup, il est capable de nous débloquer la situation lui tout seul, quoi. C'est ça qui est chiant justement, c'est que tu sais pas sur quel Payet tu vas tomber en fait. Tombes sur le Payet du match aller contre Lyon où il te fait le doublé, mais jamais de la vie, tu vois, je dis qu'il faut pas l'avoir, tu vois. Mais enfin, c'est ce que dit Anelus, quoi. Un grand Payet, tu mets forcément titulaire, mais un Payet moyen, donc ça veut dire qu'en plus il est lent. Franchement, je pense qu'Harit sur le terrain, au vu de ce qu'il a fait récemment, bon, hormis l'accident contre Bâle, au moins Harit a le mérite d'être rapide et d'être capable justement d'évoluer sur le côté, comme tu l'as dit, et donc de t'offrir plus de possibilités qu'un patapouf dans l'axe qui va te ralentir le jeu, quoi. Ouais, mais après non, mais c'est vrai, il y a un moment, c'est... Et vous le pensez capable de laisser Payet sur le banc pour ce match-là? Non, je pense pas. Je pense pas. Et il y a autre chose aussi, c'est que je te dis, la projection vers l'avant. Jusqu'à maintenant, moi déjà, depuis 5-6 matchs, je trouve, voire même un peu plus, je trouve que Gerson, il prend une dimension dans cette équipe qui est phénoménale. Et maintenant, il est beaucoup moins dos au jeu. Il va vers l'avant, tu vois, il casse les lignes et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. De toute façon, moi, le football, je le conçois de manière rapide, des attaques rapides.
C'est ma vision à moi, hein, elle n'engage que moi, mais moi j'aime les joueurs rapides qui cassent les lignes, qui sont capables d'éliminer, etc. Et Gerson, il a vraiment ce potentiel-là, il a techniquement, tu sens qu'il est vraiment au-dessus du lot. Et quand il commence à vraiment jouer vers l'avant et à percuter, je trouve qu'il a énormément de qualité. Donc après, je trouve que aussi, depuis 5-6 matchs, la forme de Gerson fait aussi que cette équipe joue beaucoup plus vers l'avant et beaucoup plus rapide dans les phases offensives. Ouais, sur Gerson, au-delà de la technique, moi je trouve que c'est un génie tactique, hein, il a un QI foot exceptionnel, tu vois comment il se place. L'action qu'il fait là, sur sa passe décisive à balle, où il essaye d'emmener, enfin il est dans la provocation là, alors que d'habitude balle au pied il provoque pas trop. Ça montre que physiquement il peut le faire sur un match et qu'avant il hésitait à le faire en Europe. Mais il a cette idée, il a envie d'emmener le latéral adverse à l'intérieur pour lui passer à l'extérieur et centrer. Et franchement, ça, c'est même plus le montant en puissance. Là, on est en train de voir le talent du joueur. Enfin, des gens que je connais, qui le connaissaient au Brésil, me disent que c'est que le début et qu'apparemment, il peut encore avoir une plus grosse marge de progression. Il a encore une marge de progression et qu'on peut voir l'étendue de son talent. Je sais pas, moi je suis hypé par Gerson. Je voulais pas le tuer au début, j'avais été difficile avec lui sur le match à Lille où il avait eu une attitude déplorable. Mais là, franchement, là, sa montée en puissance, elle est plus que confirmée. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est le dépositaire du jeu de cette équipe. Et ça fait partie des leaders techniques. Et comme ça a été dit précédemment, vraiment là, il n'hésite pas à monter, à progresser balle au pied et à casser des lignes par des courses. Et aussi par des passes, et franchement, c'est un pur bonheur de voir ce joueur évoluer à l'Olympique de Marseille. Là, un dernier mot et je vais conclure. Ouais, juste pour conclure, c'est qu'en fait, est-ce que je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Ariles, et pour compléter, j'ai hâte de voir Gerson sans paillettes sur le terrain, quand il aura cette totale liberté de projection, aussi bien dans l'axe que sur le côté quand il le faut, et qu'il aura du coup derrière lui un 8, justement, enfin quelqu'un qui est là pour courir à sa place et faire tous les efforts de d'essuie-glace. Je pense qu'on aura un Gerson qui sera un plus concerné sur le plan offensif. Et avec son QI foot et sa technique, mais je pense que ça peut vraiment donner quelque chose d'exceptionnel, un peu à l'image de Paqueta, entre guillemets, à Lyon, un chouïa moins haut que Paqueta, s'il n'a pas ce soucier de son repli offensif sur chaque action qui peut souffler de temps en temps. Je pense que Gerson, il peut vraiment nous résoudre énormément de soucis sur le plan offensif, allez, Anne-Luce qui nous dit notamment avec Milik. un charisme et une puissance, contrairement aux premières mois, c'est vrai, et ce qui a changé chez Ouais. Gerson. Principalement, c'est l'esprit. On sait que les joueurs brésiliens sont très spirituels, 100%. d'ailleurs, et les qualités n'ont jamais quitté. Je voudrais remercier Renaud qui est parti tout à l'heure, Yannick qui nous a fait le plaisir de sa présence, comme notre ami Ariles, ainsi que Small qui est rentré en cours de match. Merci à vous, messieurs. Merci à Gilles qui nous a fait le plaisir de partager ce petit moment d'émotion avec Carlos Moser. Merci au chat. Voir à l'Olympique de Marseille, vive Sport Med. À très bientôt, au revoir. Forza l'Olympique. Salut tout le monde.